bonjour, bonsoir, bienvenue au rendez-vous quotidien Springfellow TV avec le policier Dédé que j'incarne en RP. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, merci pour les subs de cet après-midi, bienvenue Guevara, merci encore de me suivre très régulièrement sur mes rediffusions, ça fait vachement plaisir. Et vos petits commentaires sur YouTube me font extrêmement plaisir également. Bon, n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont pas encore fait, de follow la chaîne. Ça se passe en bas, de venir sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays. Et surtout de nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires de la matinale. Quoi de neuf sinon? Bah écoutez, pas mal, voilà. Stream Element a décidé d'arrêter de nous spammer le chat, donc moi ça m'arrange. Parce que j'ai décalé le timing. Donc voilà, moins de chat, moins de pub, et on se sentira mieux. Donc voilà, salut à tous, salut Guevara, salut Trunks, salut Omega, bonjour à tous, bienvenue, c'est parti. Faites-vous plaisir, j'espère que je vous en donnerai. Merci pour vos commentaires, merci pour vos donations, ça fait extrêmement plaisir. Bah écoutez, bon live à vous. Bonjour, bienvenue sur Spring... Non, je me déconne. Allez, c'est parti. C'est possible que tu bouffes le panneau. Hop là. Je mets tout là. Le panneau n'est pas dans le panneau. Je peux pas spécialement être devant le truc si jamais je mets le panneau. Bon, vous avez fini de faire les cons, là? Bah là, c'est pas Commandant. Salut les Téfioles, comment ça va? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tenez mon commandant préféré. Ah bah voilà, enfin hein, qui pense à quelque chose. Bon, messieurs, il manque quelqu'un là, non? Oui, qui est parti chercher quelque chose, il arrive. Ah d'accord. Bon, aujourd'hui, hier, nous avons subi une attaque et une revendication, enfin deux revendications, de Attira et de l'Est. Il est inacceptable, messieurs, que nous laissons l'Est à des rebelles. Il est inacceptable que Ita Attira soit pris par les rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles, mais nous ne sommes pas loin d'être rebelles. Enfin, tu me comprends. Rigoler. Voilà, c'est bien, c'est nickel. Ouais, je sais, mais c'est pas drôle. C'est toi, c'était une de ces blagues. D'accord, ta gueule. Ensuite, les recrues qui a pas de voiture. Ouais, bah toi, ça m'étonne pas. Toi, t'as pas de voiture. Bon, Redfield, félicitations, tu es major, tu prends le lead. Ah non, 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 Dumas. Voilà. Ouais, je sais, donc, toi, à part foutre des piqûres et un petit doigt pour prendre la température, tu sais rien faire d'autre. Bah, c'est mon commandant préféré. Ta gueule. Bon, ok, on fait comme ça. Allez, c'est parti. Un gradé, une recrue. Et moi je prends qui m'aime. Albertino avec Mike Bill. Coucou tout le monde, coucou Mike, coucou Narilos, comment ça va? Comment ça va bien? Comment vous allez les filles? Comment vous allez? Je peux pas les prendre, j'ai pas de place en vrai. En vrai mon... Mon commandant, faut que je vous parle. Je sais pas qui c'est mon commandant. C'est de glace mon commandant. Ah non mais bah, commandant je sais pas qui... Ah ouais, j'arrive. J'arrive. Salut Imga, bienvenue à toi, merci. Merci de ton follow Imga, merci beaucoup. Rejoins-nous sur Discord aussi pour faire des jeux communautaires. Et sur YouTube pour revoir ce live, merci à toi et bienvenue. J'achète des téléphones, des radios en plus. Mec, en fait c'est même pas question de place. J'entends tout. Il y a tout dedans. Non, non, c'est justement place physique que j'ai pas. Prendre téléphone, radio. Respect. Le respect. Bonjour, 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 messieurs. Aujourd'hui, là, c'est la guerre, messieurs. Aujourd'hui, c'est la guerre. Nous sommes policiers. Préféré. Respect, mon commandant. Préféré. Préféré. Voilà. De la guerre, messieurs. C'est la crise. Oh bah... C'est la crise. Place, je veux ramasser un chargeur à terre, je peux pas. Hein. Gros, je vais me pointer, je vais lui montrer mes maglites supplémentaires, mes bouchons supplémentaires. Putain, les gars, à force de... J'ai plus de sous, hein.
Ah, moi non plus. Oh, c'est quoi ça? Le général, il me doit déjà 25 millions. Ah, le général, il paye pas non plus. Ouais, ouais, le général, je sais pas qui c'est qui est élu et qui élise. Ça paye pas. Ouais, ça paye pas. C'est l'arnaque, hein. Oh bordel là. Général, il paye. Au commandant? Oui, c'est moi. J'ai arrêté un PAX-ER avec une Unix. Félicitations. Est-ce que j'ai le droit de jouer avec? Non. Non? Non. Je la jette? Non, tu la mets dans la caisse. Ah, mon commandant. Que voilà, y a pas de ta gueule. Ouais, du coup, mon commandant préféré? Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai mis tout à l'heure une amende. Et ouais, j'ai toujours l'argent. À qui je dois la donner? T'as rempli le doc? Affirmatif. Eh bah, tu me le donnes à moi. Non, je vais vous donner mon. Comment ça, il la garde? Bah, il a dit ok, parce que c'était fini vu qu'on avait rempli le. Ouais, on est à 26 millions sur le. Bon appétit! Hein? Du coup, je fais quoi? On a rempli les 20 millions là? On est à 26 millions et quelques. Ah, bah, regardez. Je crois que c'est 25 qu'il faut faire. Hein. Non, c'est 20 millions. Bah, du coup, je peux avoir les 3 millions que je vous ai donné tout à l'heure? Non. Ah, okay. C'est dommage, Douglas, franchement. Je compatis avec toi. 20 ou 25 vous devez faire, vous? Non, c'est 35 les gars, et après c'est tout pour moi. Ah, ouais, tu prends P5. Ah, mais on a rempli, je vais faire le général. On a deux services. Hein. Oh, en avant! Le commandant, je peux vous parler deux secondes du coup? Colonel? Ah, ouais, toi tu vas. Bah, oui, bah, tu parles avec toi. Tu m'appelles mon colonel. Mon colonel, j'ai dit mon commandant. Ah, allez-y, moi, ouais, bah, mon colonel, tu m'appelleras maintenant. Alors. Mon colonel préféré. Oui. L'heure est grave. C'est-à-dire? Tout à l'heure, un cobra s'est permis de faire l'infaisable. Non. Alors que je sortais mon véhicule pour y ranger une arme, il s'est permis de mettre mon véhicule en fourrière et de me faire du 3M249. Oh! Mon commandant. C'est qui le cobra? C'est un certain. Comment il s'appelle l'autre là? Bah, Gambino. Ah ouais? Est-ce que j'ai le droit d'aller le tuer? T'es policier, tu peux pas tuer des gens. Merci. Non. C'est sur lui pour la justice, c'est un peu ce que je dis. Par contre, moi oui. Gambino de DD. J'écoute. Viens me voir dans le garage. Affirmatif, mon commandant. C'est Germain qui t'a dit 25, c'est 25. Ma respect, mon lieutenant. Je suis là. C'est bon, t'es là? Oula, attention. Va voir au fond du garage, alors, regarde, il y a un truc pour toi. Regarde, il y a un truc là-bas pour toi, dans le coin. Vas-y, regarde. Décidez-vous pour prendre quelle voiture vous voulez, en fait. Viens ici où je vais te niquer. Viens ici. Écoute-moi bien, toi. La prochaine fois que tu fous en fourrière le véhicule d'un mec à moi, je te chie dessus, t'as compris? Je te pisse et je te chie dessus. Et je te fais bouffer tes dents. Comme ça, demain matin, au lieu de bouffer du cacao, bah tu vas chier tes dents. T'as compris? Donc maintenant, tu vas sortir ton porte-monnaie et tu vas lui donner le double de ce que tu lui dois. Sinon, je te défonce. T'as compris? Sinon, tu disparus. On sait plus où tu es. Ok? Ah! 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 Gambino! Bon, j'ai dit, j'ai fait ton dispatch, on y va? Ouais, c'est bon, ouais. Attends, j'ai juste un problème. Je crois que vous avez tapé fort, mon commandant. Ah! Voilà, avec c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Moi, je suis avec un jeune, je crois. Bah, chacun ne voit personne avec toi. Ah, c'est du coup, mon commandant préféré est le meilleur. Ouais. Est-ce que vous pouvez me sortir un véhicule? Non. Je comprends pas. Oui. Mais avec qui? Mon général préféré. Tu vas venir avec moi, Maschetto. Tu vas avec Maschetto? Ah, s'il y a personne avec lui. Bah, si, y a moi. C'est pas marqué sur carte. Bah, non, parce qu'il a pas encore fait son travail de recrue. Tu peux venir avec nous, mon général. Fekiko, comment ça va? Salut, Vaillon. S'il vous plaît. D'accord, il est avec moi. Respect, mon général. Salut. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es avec qui, toi? Moi je suis avec Douglas. Voilà. Bon, tu veux une bagnole quoi? Putain. Avec qui? Douglas. J'ai toujours pas le droit de faire.
Oui, là. Hop. Bonsoir les Spartiates. Les 300. Bonsoir les 300. Réparer. Ils sont où les autres du coup ? Ils sont déjà partis. Je viens avec toi du coup. Bah ouais. Ah mon commandant, mon petit doigt me dit qu'il y a une autre truc qui arrive. Ya ya ya. Alors. Plus de place, hein. En tout cas. On va mettre. Douglas. Tu donneras les clés à ton gars. Hop. Là j'ai déjà une voiture, général. Ah oui, c'est pour Douglas. Ah, pour ma défense là. Non, pas de défense. Tu te démerdes. Pour ma défense, commandant, il bloquait l'espace de sortie de garage pendant au moins 5 minutes. On demandait depuis de partir, il partait pas. Alors. D'accord. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai eu ton message téléphonique. Oui, j'ai vu. On en discute. Ok ? Oui, ça roule. Il n'y a pas de souci, au contraire. Au revoir. Non, pas au revoir, je vais te défoncer. C'est quoi son problème, ami ? Il a foutu en fourrière un véhicule d'un mec à moi. Oh putain, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous faites les gars là? On attend une information. Ça... C'est quoi ton information? Tu vas avec Charlie, Kavina. Le commandant, je crois que je suis avec vous apparemment. Dumas. Voilà. Bah, j'ai pas besoin de votre véhicule du coup, mon commandant. Pourquoi? Je suis avec vous. De ma gueule? Ah, c'est marqué. Ouais, c'est marqué Maschetto Douglas. Ah ouais. Eh oui, cassé. Dédé Maschetto Douglas. Bravo, Dumas Bellucci Gambino. Dumas. Dumas. Transmettez. Il y a le général qui vient avec nous, tu feras une autre escouade s'il te plaît. Ouais. Oh, bah, je vais prendre le véhicule finalement. Ouais. Vas-y Douglas, prends je sais pas qui avec toi là. T'as qui avec toi? T'as qui avec toi? T'as qui? T'as Cabino avec toi? Douglas, pas Cabino. Donc Cabino, tu partiras en Tango Echo avec le général. Je vais te crever. Bon, qui est là-dedans? Il a rien compris. Hein. Là, c'est... On s'en fout. Je crois qu'ils ont rien compris. Hein. Regardez, ouais. Il vient de dire à l'autre de partir en Tango Echo avec moi. Non. Mon commandant préféré. T'as Okai qui est là en plus. Mais qu'est-ce c'est que c'est que ça? Dumas. Transmet. C'est toi qui fais le dispatch là? C'est qui est avec nous, Dédé? La fille, comme je viens de l'annoncer. D'accord. Donc tu annonces, c'est bien. Par écrit et en oral, tu crois que c'est pas mieux? J'ai pas annoncé si vous l'avez perçu la truc sur radio. La truc, non, il a déjà dit d'avant. Je pensais l'avoir donné en radio. Ouais, pas moi. Moi, j'ai rien eu. Moi, j'ai bien sûr. On s'en fout de toi. Bon appétit, mon commandant. Merci, fiston. C'est le général. Il m'a donné à bouffer pour une fois. Ah. Quoi? Je suis en train de bouffer ce que je... Ouais, dans mon coin, ouais, c'est tout. Moi, j'ai pris mon petit panier repas. Parfait, de dispatch, bah, quand vous voulez, on y va. Des bons petits légumes, là, pour donc, pour tous, on se retrouve à la sortie de... Ok. Bon, bah, je vous aime, mon commandant, hein. Mais moi, pas, bon, donc, bon de PD. J'ai corrigé le dispatch à 4 parce qu'il n'avait pas compris du mal. Hein. Pourquoi j'ai plus frein à main? Ça me fait bizarre de pas entendre de moteur. Oui, t'as la Tesla, quelle voiture de merde en plus, tu vas voir en off-road. Ah ouais? On va voir sur tous les arbres, les murs, pas les plaques. Hein. D'accord. Salut! Il manque le overlay des derniers followers. Ah ouais, exact.
Dès que tous les Vipers sont prêts, on partira en formation Alpha Bravo Charlie Doc Echo direction Negades. C'est bien clé de Alpha. Le prix pour Doc. Bien pris Echo. Pardon, Major ou moi Jean-Chef. Major ou moi Jean-Chef. Major, bah pardon Major. Ma femme fait des bêtises. Ta femme fait des bêtises. Qui c'est qui est Major? C'est Redfield qui est Major? Eh ouais. Oui, c'est Redfield. Bah je peux rien faire les gars. Je suis désolé. C'est Tipeee qui déconne. Allez, pour tous les Vipers, on se met en position et on est parti. Bon, il va falloir arrêter le recrutement là. Je suis de Alpha. T'as plus de recrutement. Ouais, plutôt intérieur, on est déjà 30, il est 20h15. Ah bah. Vous voulez plus de monde les gars, moi je vous donne plus de monde. Ouais. Attends, c'est moi ou il y a toujours pas CPA qui est sur Carta qui est parti là? Moi, une colonne longue à Savantes, la dilute se bouge un peu. Non, ouais, c'est vrai. Il manque le overlay. Ouais, je sais, ouais, ça manque. Ouais. Des fois, ça bug. On sait pas pourquoi. Et... on s'en branle de ton truc là. Je t'ai demandé un truc. Et il s'en branle, donc on s'en branle. Voilà. Fait une com longue, Savantes. Alpha véhicule qui a cassé sur la droite. Savantes, il se bouge, il a toujours pas disparu. Il a abandonné. Pas décollé. CPA, vous pouvez vous dépêcher s'il vous plaît? Merci. J'ai pas la longue, mais j'espère que t'as vraiment fait une com. Oui, j'ai fait une com. Comment ça on s'en prend? Ah, vous tapez tout. CPA est disponible pour le moment en cours. Reçu du général. Indisponible, CPA. Nous avons encore 3 tours à faire, donc on est disponible dans 3 tours. Donc, ils sont en train de couvrir sur un putain de ponton. Et il me dit indisponible, à moi. Ouais. Il était indisponible. Et là, j'ai même entendu dire qu'il aille se faire foutre le général, on n'est pas sa merci. Ça va, merci. N'en rajoute pas. Hein. Oh, j'en rajoute pas, hein. Texto. Ouais, c'est ça, ouais. Comme si qu'il aurait osé. Ah bon. Qu'il avait osé. Comme si qu'il l'avait. Et qu'il l'aurait. Il l'avait ou qu'il l'aurait? Il l'avait parce que les six n'aiment pas les raies. Du coup, c'est qu'il l'avait, je pense. Ah. Et pourquoi il n'aime pas les raies? C'est une règle de français, c'est comme ça. D'accord. T'as deux fois le même message? Ouais, tu l'as lu deux fois son message du manque de l'overlay. Comment ça, deux fois le même message? Tu l'as lu deux fois son message. Pour tous, on cligne bien Negades et on fera demi-tour direction DP. Ah ouais. Le sud de Alpha. Yo Mikey. Comment ça va? En reçu de Bravo. C'est un scandale que ce soit au mode faire les coms par contre. Hein. C'est vrai, c'est un scandale. Dylan ? Reçu du écho. Ouais. C'est un scandale que Général fasse des coms, non ? Donc tu vas les faire, Dylan ? Parce que Général il va s'enrouer et après il va se mettre en arrêt maladie, on n'aura pas le salaire. D'accord. C'est Sherman qui les donne. Ça va tranquille, les gars. C'est clair. Mec. Avec quel produit ? Ajax Vitre. C'est normal qu'on ait que 3 là. 3 unités? Bah, il y en a les deux autres, on va les croiser là. Au bras, ils sont virage d'Atopolia. Oh, j'aurais peut-être pas en dire autant, tiens. Dylan, tu sais conduire? Merci. Ah, bah, conduit. T'es prêt? Ouais. Vas-y. Prends le volant, prends le volant! On va mourir. Vous me recevez? Ça dépend qui c'est. Ok, on doit refaire un retour BK. La radio a doublé, c'est un problème. Zem. Attends, on va deux. Waouh. Ah, vous avez vu comme moi ou pas? Ah, oui. Merde, je croyais en avoir pris deux. On a perdu les crampons purs. Négatif pour ouais, Echo, tu lui transmettras les communications, on passera par la BA, il va pas repartir tout seul. Bien reçu.
C'est vrai que c'est chiant. Donc pour tous, on va rouler tranquillement direction la PA. Et je vous rappelle, c'est... On est passé à 47 éléments. Et sur les 47, on en a 30 de présent. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Taxuken, il y avait du monde aussi. Je sais pas si t'étais là. Ouais, rempli. J'étais là. Et voilà. C'est nouveau, c'est tout beau, c'est tout neuf. Oui. Parce que c'est des recrues, on verra sur le temps. Ouais. Omega va me casser les bonbons. C'est pas bien, Omega, ce que tu fais. C'est pas bien. Mayday, Mayday, ouais, bah là, ouais. Voilà. Mon corps est présent, ma tête est ailleurs. Je suis pas encore réveillé en fait. Viens de te lever ? Ouais. Je me suis couché, il était 15h. 15h ? Ouais. Je suis dormi jusqu'à 19h. Pour être sûr de faire du live. Hein ? Je suis en vacances. Quoi, t'es en vacances là ? Ouais. Tu te couches à 15h ? Ouais. Mais t'as farmé toute la nuit en fait. Ouais. Oh là 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 là. Non, j'avoue. Bah, il peur toujours à glander, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Occupe-toi de ton hélico, toi, il décolle de la béca et ça évitera de te faire engueuler. Ouh là 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 là. Je vois des trucs qui me plaisent pas là. Du com. Bah, du com, un brigadier chef, deux brigadiers chefs et deux brigadiers qui n'ont pas la formation de base. Ça pue ça. De chez nous ? Il y a un Viper sur les 4. Ah oui, merci, il me semble. Un Viper, un CPA, un Cobra et un Syrah. Alors comme ça on a tout. Ouais, j'ai pas de place là. Ah ouais, bah écoute. Bah, on va mettre un petit message. Aujourd'hui ça devient compliqué d'avoir une place police, hein. C'est très compliqué. Très très compliqué, effectivement. Oh, oh, oh bah, putain, déjà 310 followers, les gars. De Charlie pour Echo. Magique, c'est pas possible. Monsieur dormait. Pour Douglas, une fois qu'on arrivera à la BA, il rentre pas, il viendra vers la BM. À un moment donné, les gars, je ne peux pas faire des lives. Travailler sur le design des lives, travailler pour votre bien-être visuel de mes lives et ma maison, ma femme et mon canapé. Donc du coup, faut que je dorme un peu quand même, de temps en temps. J'attends que tu aies une coloste. D'accord. Moi, j'attends que tu prennes ma place pour que je te kick, en fait. Très important, ça aussi. Donc pour tous, on fera un stand-by de 30 secondes sur le côté de la route pour qu'ils puissent récupérer la radio au niveau de la BA. Reçu de la fin. Écoute. C'est ça, pour moi le problème, je ne dors pas. Bah, ouais, surtout toi. Petit garçon, il se couche à minuit, quoi. Tu dors pas, toi ? C'est ça, pour moi le problème, je dors. Je me souviens de ce message ce matin. Mais on va stream toute la journée. Tu penses à un truc aussi ? À un moment donné, il faut s'arrêter. Et là, t'es Ouais, je t'écoute, ouais. Ok, ouais. Je pensais à un truc, parce que là, tu vois, il faut avoir 20h, etc. C'est quand même pas mal de présence. Ouais. Je pensais à faire un truc de réserviste. Oh. Sauf que un réserviste montera pas plus haut que brigadier chef et sera jamais payé. Sauf qu'on lui demandera genre 10 heures par semaine, tu vois, un truc. Pour tous ceux qui ont besoin de faire le plein, pas, profitez-en. Tu ne peux pas le payer. Mais pour ça, il est même pas. Il est réserviste, il est. Il donne son temps, il est bénévole. Mais un réserviste, il est payé. T'as vu ça où ? Moi chez moi ils sont pas payés, c'est tout. Bah si. Mais les gens ils viendront pas bénévolement. Autorisation mon commandant de passer à la BA. Hein ? Autorisation de passer à la BA vite fait. Ah ouais, t'attends les autres. Il faut quoi ? Voilà, on les paye symboliquement. T'as quoi ? J'ai un souci avec ma radio. D'accord. Moi bah vas-y, va avec les autres unités, on y va. Salut Kaivzo, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires ou sur YouTube pour t'abonner pour voir ce live et les lives précédents. Précédents tes follow, merci à toi mon loulou et bienvenue à vous tous. Pour l'instant, de toute façon, on a suffisamment d'effectifs pour se permettre de ne pas faire ça.
Bah ouais, mais bon, après le mec, si tu le payes pas, Jackson, tu comprends, il peut pas nous voir sa famille, il peut pas en profiter le samedi soir. Donc pour tous, pas... direction Attira, on va créer l'Attira. Tout le monde arrive sur cette putain d'île. C'est bien pris d'Alf. Ah, c'est vrai que tout le monde fait du LSD. C'est vrai. Je suis déco. Que ce soit les mecs qui font du LSD ou les mecs qui se travaillent dans les entreprises, ils sont blindés donc. Moi je te propose qu'on légalise le LSD. Base, même l'employé le plus bas gradé d'une entreprise, il se fait des millions alors bon. C'est vrai. S'il a envie de découvrir le métier, il peut venir gratos hein. C'est ça. Ouais. À voir. Pour l'instant, on a déjà trop d'effectifs donc on va éviter. Mais... Bah là, même l'après-midi, ça tourne bien. Même après minuit, ça tourne bien. C'est pour ça que je ne prends plus pour l'instant de personne. Alors, Omega, tu te fous de ma gueule, toi. Putain, tu te fous de ma gueule. Oh non, mais c'est quoi ces soucis? Vous avez bien dans le véhicule, quelque chose? T'as vu, Omega? Ça allait bien pour chercher ta radio, là, moi? C'est général, oui. Commandant. Y'a personne qui est passé. Ah, bon. Ah. Coucou. À poil. Ouais, tu sais. Par contre, ils m'ont bien défoncé. Bah, ressemble-toi. Viens de casser. Négatif, à part ma voiture. Ça va, alors. À cause de. Donc, pour tous les Vipers, de se mettre en tas de boue, mettez-vous en position. Bon, allez, tas de boue là, position défensive. Allez, hop, 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 hop. Ouais, du coup, moi j'attendais, monsieur était parti dormir. Ah là là, ouais, bah oui, je me suis posé sur le canapé en train de boire mon petit café. Et BFM m'a emporté. Et je suis pour rien, j'ai besoin. Putain, j'en bave. Non, je dis. Allez, c'est bon. C'est très intéressant, hein, mais concentre-toi sur la réparation de la voiture. Bah, je suis réparé. La roue est changée, les plaquettes de frein et l'huile a été modifiée. Ouais, t'as fait la vidange aussi. Ouais. Ouais, j'ai fait la vidange en même temps. Ça s'appelle de la compétence, moi, général. On va aller chercher vos radios. Là. Allez, on va à la radio chercher la BA. En avant. Et pour tous, c'est reparti direction Attira. Le sud de Alpha. Et les radios de Douglas. Bon, on a cassé. Ok. Tu sais que t'es sûr que tu sais conduire toi? De Douglas c'est okay. Bon, on en a donné une autre. Elle est compliquée hein. Juste que le véhicule n'a pas tourné. Apparemment on a besoin de rejoindre, on va y aller. Alors ok, j'ai des diplômes dans la mécanique. Ok, j'ai une certaine compétence à réparer la bagnole. Merde. Ok, je suis beau, je suis fort, je suis commandant. Mais ok, t'arrêtes de casser toutes les 10 minutes. C'est clair! J'ai mal par contre là. Force, merci quoi. Ouais, merci Masketo. Putain, Masketo là! Oui, vous inquiétez pas mon commandant, je suis plus beau, je suis plus fort, je sais conduire, je sais tirer, je sais tout faire. Ouais. De Alpha pour Charlie. Celui-là. Qu'est-ce que vous faites tout seul? Ouais, on a encore arrêté un retour sur la position. Moi je suis soigné. Le dernier rang qu'on a reçu, c'est on est parti, donc on a commencé à partir, on s'est arrêté. A tous, on s'arrête à la BA. J'ai ma chère et tendre recrue qui est encore toute molle et qui n'a plus de radio. Sud, donc pour tous BA. Et quoi, qu'est-ce que. Ah, le sud de Alpha. Alors, juste, j'ai précisé quelque chose quand même. On est 5 unités. Si on fait 3-2, on s'en sort, on n'est pas non plus à l'autre bout de l'île. Hein. Donc, 3 qui partent à Tira, une deuxième qui nous rejoint à la BA, puis on se rassemble, et pas de soucis. Hein. Comme un croque-monsieur. Ah, ouais. Imaginez que vous êtes la tranche de jambon entre les deux tranches de pain grillé. Pas de l'analogie, mais. Le général est la tranche du dessus et moi la tranche du bas. Le cochon, c'est haram. Ah. Alpha, bravo Charlie, direction Attira et Doc, tu accompagnes. Je fais pour Doc. T'as des petites tendances naturistes quand même, Cédric. Un petit peu, ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors attends, on va changer de bagnole. Ah bah moi j'ai plus de téléphone, comme ça, c'est... comme ça c'est bon. Il y en a un dans ma voiture si tu veux. Oui, remarque. Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture? Focus. Oh, une petite Fiat 500. T'aimes pas non plus? Non, j'aime pas la Tesla. On va prendre. Qu'est-ce qu'on prend comme voiture? La Shelby. Le BM. La RS6, moi ça me. La RS6? Audi, ouais, c'est ma. Allez, Alpha, Charlie, Echo, on va continuer. Je sais pas si j'en ai une là, si c'est genre un police, pardon. Non, je l'ai pas, faut que j'en achète une. Parce que je sors la mienne, je sais pas si elle est. Ah ouais, sort. Ouais, bah on transfère, c'est pas grave. Pousse-toi, toi, Dylan, là, putain. Dylan, putain! Parce que t'es où là?
T'as qu'à saucisse là. Allez vide, vas-y. Allez, en transfert. Je vous laisse. Si je trouve. Comment ça tu ne laisses faire? Je m'en sol. Non bah tu prends. Oui, tu fais ce que tu veux. T'es grand fiston. C'est dangereux de mettre au sol hein, parce que. Par contre y'a des armes, on laisse dedans. On prend juste le M300 et le serveur. Hein. Quoi, tu veux laisser le chétac à l'intérieur? Pas le Z. Aucune, mais ils l'ont arrêté, ils le contrôlent, donc j'en suis en position. Pas de glace, c'est pas que ça, hein. Il a MXM, gilet P5, tout ça. Ouais, y a et bah vous faites ce qu'il faut et vous le ramenez à la BA. Ah, c'est reçu, je le menotte. J'espère qu'il y a un d'entre vous qui a un shield sur lui quand même. Un quoi? Un shield? Oui. Ouais, j'en avais un, mais il a disparu. Un shield. Allez, pour tous, on accompagne à la BA et on repartira à Tira une fois que tout le monde sera équipé. Tu m'as pris deux échos, on s'occupe de le traiter. Efface pas par terre. Casquette. Casquette noire. On va mettre ça plutôt que le béret. Ah, mais moi j'aime pas le shield. Le donne aux jeunes, tiens. Le shield. Donne-nous la recrue. De toute façon, c'est lui qui passe en premier. Attends, ça va aussi. Ouais. Hein. Merde, bouclier tactique 1 acheté. Ah, c'est le meilleur. Accessoire. Acheté. Acheté. Pousse magique pour 10 euros, non mais. Arme, chargeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shield. Shield. Donc pour toutes les unités qui sont prêtes, on se met des positions de départ devant la BA. L'unité qui est écho, vous traitez sur zone. Et vous nous appelez quand vous êtes. Alpha, on a Pax sur position principale RS6. Voilà. Salut Baudry, bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Merci d'avoir rejoint la famille. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir le live. En replay, merci à toi. Donc, tu ne fais pas le rebelle ou le bandit, c'est bon. Viens. Sur la position d'Alpha. Moi, une petite fausse magique. Là, je te donne 10 euros. Ouais. Bah oui, tu peux aller. Tant que tu ne fais pas le rebelle et bandit, ça me va. Pas de soucis. Okay, pour le binôme à côté de nous, on va check si la lambeau d'en face est avec eux ou pas. T'en prie, prends plus de temps. Ah bah là, je suis à fond là. Attends, hop. Ouais. Putain, je suis hyper chargé là. Il est tout nu, mon commandant. Ouais, je sais, ça te dérange? Négatif, mon commandant. T'aimes pas quand je suis tout nu? C'est bon, je l'ai. Ça me dérange, on va ton uniforme. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Putain. On dirait, ouais. Attends, parce que là. Oh. En train de taper une bagnole, là, pas sûr. Mais sans revenir. Salut Tanux, comment ça va? Bienvenue à toi. Moi ça va tranquille. Ça va tranquille les gars. Merci. Tranquille les potos. Tranquille, tranquille les potos. Il y a une voiture qui vient de passer route principale direction Cavala qui posait des R sur la route, faites gaffe. Oh encore. C'est mal. Pas organisé là, ça me saoule. Voilà. Pour alors, Sherman, t'as parlé de ma réintégration? Non, pas encore, j'ai pas croisé Sherman aujourd'hui. Il est en train de faire son contrôle. J'ai pas du tout croisé Sherman aujourd'hui, les gars. Bon, et vous, sur le chat, comment ça va? Est-ce que les followers et les viewers vont bien? Donc c'est le Intel Pro Viper, hacker la crise, Nissan GTR qui sont partis en off-road, j'ai oublié, la Nissan est avec le monsieur, ils parlaient en radio ensemble, je les ai entendus. Jackson Dimmers. Ok, très bien, bien reçu. J'ai eu du traitement PAX et on voit ça tout de suite. C'est reçu d'Alpha. Ah, le lit qui verrait avec l'état-major. Bah, je suis des... j'en fais partie.
Moi, il m'a rien dit, je l'ai pas croisé cet après-midi. Ah bah non, je dormais. Arrête. Hop, 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 arrêtez-vous. Oula, 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 oula. Oula, oula. Ah, sur le bas-côté, s'il vous plaît, monsieur. Allez, jeune homme. Allez, fiston. Vas-y, vas-y. Pour Bravo et Doc, vous irez sur position Alpha, nous allons traiter à la mer. Contrôle. On contrôle. Ah ouais, ben vous n'avez peut-être pas vu, mais bon, 180 km/h, c'est peut-être un petit peu beaucoup. 180? Ah oui. Oh, mais vous êtes jeune. Oh, je me souviens de toi. Bon. Ouais, on a ramassé du muguet ensemble. Je suis arrivé hier. Bah justement, c'était hier. Ah, sûrement alors. Mais oui, tu te rappelles pas. Je me dirige vers Alpha. Oh bah putain, la mémoire courte depuis hier. Je pense qu'il prend de la drogue, hein, les gars. Tout de suite, tout de suite. Monsieur Sylvano, vous êtes pas connu de nos services, vous êtes arrivé hier. Quand je suis du muguet ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Genre un casier ? Ce sera noté que vous avez fait un excès de vitesse. Hein. Ce sera pas un casier. Ah noté, hein. Bon, ça va encore. L'idée du diable de Timars, hein, c'est ça. Morgane, Sylvano, très bien. Alors je vais 666, quoi. Le pauvre news, quoi. Il a déjà plus de permis, mec. 79, 79, 55, 55, 89, 89, 81, 81. Alors merci aussi à tous, vous êtes 21 abonnés, merci à tous, ça me fait super plaisir. Merci pour le gold sub, pour les resub, pour les donateurs. Ce qui m'a donné le dernier donateur, c'est bah, Trunks, merci Trunks. Merci Baudry, de ton follow, pardon, je t'ai pas vu, je t'ai oublié mon loulou, excuse-moi. Merci Baudry de ton follow, bienvenue dans la famille, rejoins-nous sur Discord et sur YouTube pour voir ce live et les autres lives. Pas de problème, excuse-moi mon petit père, je t'ai oublié, j'ai pas fait attention. Merci à tous d'être présents, nombreux, 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 de plus en plus nombreux chaque soir. Ça me fait énormément plaisir. La seule chose que je vous demande, c'est pas d'utiliser le stream en jeu pour éviter de gâcher le plaisir de jouer des autres joueurs. Merci à vous. Et ça, ça fait plaisir. Oui, ça, ça fait plaisir. Hop. Vous savez combien ça va coûter, tout ça ? La patate commence à arriver, les gars. Je suis pas trop chaud, là. Je suis encore à moitié endormi. La patate va arriver. Et quand la patate va arriver, ça va être du clash. Je vais devenir avocat, en plus. C'est ça. Oh, merde ! Un avocat ? Oui, bah, je vais aller voir. Mais pardon. Attendez, je viens d'entendre quelque chose. Vous allez devenir avocat ? Oui. Citez-moi l'article 311-1 du code pénal. Vous allez sur la position Bravo avec les personnes physiques sont la réclusion criminelle à perpétuité, la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans ou plus, la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 20 ans ou plus, la réclusion criminelle ou la détention criminelle de 15 ans ou plus. Ou plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle atteint de 10 ans au moins. Ok, faites 3 pompes. Pourquoi ça ? Bah parce que je vous demande de faire 3 pompes. Faites 3 pompes, c'est dans le code pénal. Article, j'écoute le commandant. D'accord. Si vous voulez. Non ? Ouais, bah voilà, super. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Bah alors écoute-moi, toi, futur véreux. Si tu mets des épingles à nourrice à travers de mon chemin, je te retrouve, je te dénoyote et je te donne la bouffée au poisson. T'as compris, l'avocat ? Merci. D'accord. Tu vas prendre ça comme des menaces ou... Pas du tout. C'est pas des menaces. Retransmettez. C'est pas des menaces. C'est pas des menaces, l'avocat. L'avocat. C'est pas des menaces. Tu vas voir le ministre, là ? Non, le magistrat. Ah bah tu lui dis que t'as croisé Dédé. D'accord. Vous avez de la chance qu'ils prennent ça bien. Ouais, puis vous arrêtez de rouler n'importe quand. Lâché à 200 lits. Bah ouais, pas dangereusement. Avec prudence t'as pas et respect des autres utilisateurs. Bon allez, bonne journée. Merde. Passez le bonjour au magistrat de ma part. Hein. Et de ma part aussi. Salut fiston, à bientôt au tribunal. Faut les mettre dans le bain, les jeunes. Faut mettre les jeunes dans le bain. T'as envie de les menacer s'il te plaît la prochaine fois ? Je les menace pas. Ouais, si, c'était clairement une menace. Non, c'était pas une menace.
Ça s'appelle avoir créé des liens avec des avocats. Oui, bon, c'est bon. Arrête-toi là. Bah non, je m'arrêterai pas là. Vous avez pas respecté les droits de l'homme, messieurs. Ouais, parce que vous pensez que votre client les a respectés ? Bien joué à lui pour l'article. Ouais, enfin l'article, à mon avis, était déjà sur le code pénal. Il a pris 311. C'est un des premiers, donc forcément. Ah oui, j'ai pas pris le dernier. Ouais. Sinon, le 615-2, bah là, c'est plus dur. Page 17, chapitre 4, verset 2. Pourquoi est-ce qu'on attend ici ? Pourquoi on attend là ? Les collègues, ça. C'est la 13 squad. Après, les collègues, ils sont au niveau de... Il y a le LCO qui voulait une escorte aussi. Je les ai vu passer, ils sont partis à Réau. Ils sont où ? Ils étaient partis à Réau ou pas, à mon avis, ils ont perdu. D'accord. Bien joué à lui, en tout cas. Pour... Ouais, c'est clair. Il a bien géré. Non, mais il l'a dit... Donc ça va sur ta... En même temps. Ah, vite, tout va bien. Quelle étude oui. J'ai fait ? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme étude ? Ben, j'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai jamais été à l'école. J'ai été élevé dans une maison de correction. On m'a frappé pendant plusieurs années. On m'a humilié. On fait dormir dans un congélateur. Pendant... Enfin, voilà. Mission de Alpha, bravo, vous rejoignez Doc sur votre position. Voilà mes études. Merci à VDD ! Merci à moi. Merci à VDD, ça me fait plaisir de ton petit don de 1 euro. Oh putain, y'en a qui m'a fait une dédicace en créant un compte, Omega. Merci mon petit Omega de ton don de 1 euro, ça fait super plaisir. Donc à tous les Vipers dispo, vous rejoignez ça fait plaisir, à VDD. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Je viens de tourner la tête sur mon deuxième, tu vois. Tu as aimé ? J'ai vu une paire quoi. Voilà, une paire de bobs. Venez rapidement, on bloque. Mais c'est tellement bon. Et du coup, quand j'ai trouvé les clés, j'ai trouvé les clés du congélateur, ben... Oh là, ça cherche à tatane, les gars, faites gaffe. Ah non, allez, on les prend. Ils transmettent à leurs collègues, il y a plusieurs factions. Arrêtez-vous, les gars, discussion. Il y a une forme qui est sur votre position. Une forme sur zone. Appelez Cobrand. Demandez Cobrand renfort. Allez, tous les Vipers, vous passez canal 1 s'il vous plaît. Il y a un gros focus, pas tous le même. Fort focus aussi avec eux. Oh, t'as cassé. Ah non, dommage. Là, je comprends pas. Attends, c'est quoi, on a fini de traiter le pack, on arrive sur la position. DDD, je suis tout seul, hein. Donc, faites gaffe. C'est reçu, on vous a envie. Tout seul, quoi. Tracé, les gars. Ouais, j'y vais, perdez pas, là. J'ai pas compris. Ah, il y a mal au plus, j'ai pas trop compris. Moi, c'est lui qui a été cassé, pas nous. Ouais. Yo, Jason, bon, ça va. Les pulsions sont bien. Takedown. Code noir. Ils sont takedown aussi. Ça tire. T'arrives sur nous ou pas ? On a fait une extraction, quoi. Afi, code noir, ils sont takedown. Oh là là, travaillez vos coms, les gars. Moi, j'ai une question à vous poser. Ça part direction où ? Tous les sens. Ok, d'accord. Bijoutier, il y en a un qui part direction. Ah, ouais, c'est sur... parti. Code noir, hein. Faites grave, c'est code noir, les gars. Un V, direction à tireur. Direction à tireur, c'est sur nous. Ah, c'est. Ouais, bah, tiens. Où va. Oula, putain, il y a déjà plus beaucoup de monde. Info sur vous. Code noir. Il est caché derrière le petit muret, l'autre. ML noir avec eux, confirmé. Afi. Confirmé. Ok, vers la forte focus, je te promène un 1. Vous faites suppression avec Gambino, on va s'approcher. Fais gaffe, t'approches pas trop. De Cobra 2, on en poursuit vers Nord Pichier sur une forte focus. Vini, ça va pour toi. Il est à droite là. Afi, ça. La forte focus. Rejoins-moi. Ouais, c'est ça. T'approches pas trop. Pas trop, hein. C'est code noir là. Y'a un Depax qui s'est relevé de. À gauche. Où à gauche. Ok, il est mort dans la focus noir. J'ai perdu Vini. Merci de la salle, oh là. Oh là, je suis dans la merde. Est-ce qu'on a des effectifs Je crois qu'il y en a
Dirigez-vous BA pour personne. Info en... Personne sur reçu. Jackson, tu sais d'où ça tire? Si, il y a un sac de prise. Et Fort Focus Nord, direction bijoutier. BMA sur BA. Ça a tiré d'où, non, Jackson? Il y a le Bellic, il y a le muret là. Ok. Doc, besoin de vous sur le Bellic. Derrière vous. J'ai fini. Alors, on l'embarque, on l'emmène. Le mec du shoot, je sais pas d'où. Oh là, bah, il y a une fumée noire là. Doc, j'en ai. Ouais. Doc. Fais vite des points de charge. Dans 2, sur notre position, on a la Ford Focus noire qui a cassé. Il vient de se réfugier dans les buissons à sa gauche. Je le mets dans le. Doc, fais-nous DD. Moi je termine le soin. Hop là, c'est bon. Allez, on se casse. Il a perdu pas mal de sang, c'est rapide. Conduis, Jackson. Putain, yes. Ok, pour information, un VL qui arrive vers Bijoutier, il va se cacher dans les maisons apparemment. Conduire, hein. Ou il va peut-être extraire ses collègues qui ont cassé. Hein. Faites attention, Bijoutier, véhicule gris qui est au niveau des toits armés Bijoutier. Ah. Ouais, fille, ça va être 3 packs, ils ont dit qu'ils vont se cacher là-bas. De Bellic, j'emmène Vigny à la BA, il est coma. Ouais, ça part vite ce soir. Ouais. Là, il est sérieux maintenant. Là, il est sérieux maintenant, Bellic. La prochaine fois que ça arrive, le dragon l'a coupé avec le droit de l'axe. Il a fait le comprendre ou il a changé lui-même? Hein? Il a fait comprendre ou il a changé lui-même? Il a changé lui-même. Fais attention au véhicule qui va seul sur les collines bijoutières. Hop là! C'est énorme. Qu'il y ait des unités à la limite qu'il y a avec lui parce qu'ils sont plusieurs là-bas. Bijoutier? Mais vous êtes tous là, vous êtes tous 3 pour un blessé quand même là. On a plusieurs comas, nous on a cassé deux Cobra Lead. Deux Cobra Lead pour tous les Cobras, on se regroupe Gravia. Non, Bijoutier. Pour tous les Vipers Carbon, on rejoint Dédé à la colline du Bijoutier. Véhicule gris sur le flanc de la colline là, qui est cassé pour aller colline Bijoutier, colline Tour Armée Bijoutier. Le mec il était là tout à l'heure, il nous a tiré dessus. Soit il a bougé, soit il est dans les toits armés. Voilà, on regarde de là. Je réitère, Cobra Lead pour tous les Cobras direct. Attends, Jackson, tu es sorti. Jackson, tu es sorti. On arrive de Cobra 2. Mon général m'a abandonné. Putain, on a abandonné de suite. Mais putain. Oh, vas-y, fonce. Oh. Help, j'ai besoin du doc sur ma position, vite. J'ai le Jackson, j'ai le général coma, vite. Négatif, sur le bijoutier, il y a un Pax dans les maisons. Ok, préparez-vous à l'embarquer, on va arriver en retard. C'est bon doc, on arrive sur le... Ok, j'ai un Pax quelque part dans les environs du bijoutier vendeur. D'après leur fréquence, normalement ils se terrifient dans une maison. Embarquez dans Ken. On prend un RCO du coup, Hugues. De Delta, on va se poser. Parfois, c'est ton armée. Ah oui. C'est pas dans les toits armés, c'est dans les maisons au niveau du bijoutier. Alors, reçu, mais toi armé. Allez, ramène le PMA. Toi armé, potentiellement clean, oui. Dave. Pour tous les Vipers sur bijoutier, on se met en position, colonne d'assaut, bouclier, avancé au sol, on clean toutes les maisons. Il est où? Non, c'est les autres maisons, passez là, faites. Je me suis pris une chute par le cul. Ok, vas-y. Dans la maison là? En tournant en noir sur carte, c'est ces bâtiments là. Point Pax mis sur map. Commandant, c'est toujours sur vous qu'on devient. Visuel. Il sort maison blanche. On arrive, on est à 300 mètres de. Proche de Delta là. Sur votre flanc Delta. Il va arriver, il sort. Touché une fois. Il est reculé dans le coin, proche. Le stress là. Christian Spring en tant que recrue. Oh non. Position du Pax. Tu es avec moi Gambino. Cercle noir, cercle Pax. Fumigène bleu. Il avait ma sur la tête. Ouais non, il faut le chercher les gars. Je vais m'aider. Il est où le BC? Il est parti Jackson en BM. Menote-le Pratianus, je viens en jeu. Confirmez le général est en direction PMA ou pas? Aucune idée pour BA. Et il est dans votre BM les gars, donc faites gaffe. On aurait besoin d'une unité pour récupérer le Pax menotté s'il vous plaît, il est vivant mais il a besoin de soins. De Cobra 2 en arrière. Position s'il vous plaît. Position Cervantes, Prasinus s'il vous plaît. Maison blanche bijoutier.
en rond noir. Ça tire encore, bon. Ça tire. Je suis à côté dans le Cayenne, les gars. Ça tire à tour de... Je vous mets un point. Cercle noir. Deux, qu'on est sur cercle noir. Besoin d'extraction pour Croisinus. Viens. Confirmez le Pax Mall. Meg, c'est ton armée le dernier Pax, lancez le dessus. Strider Duck, on aurait besoin de ton aide. T'es où? Position Cervantes, Croisinus. Mais dragon, je suis presque à tour là. Croisinus, comment? Il est dans la grande tour entourée, Johnson. La fille, on est en train d'allumer là. Oh putain, il est bon. T'as Douglas, on est dessus. Premier étage, étage du bas. Embarque. Scott, t'es où ton bidon? T'es embarqué, vas-y, fonce. T'es passé où, James? Dave. Je suis en train de stabiliser le général. On voit faible. J'ai besoin de stabilisation, on est à la BA. Scott, on t'entend pour toi. La porte, vous avez le Pax avec vous, je l'ai pas enlevé, c'est moyen de com. Bien. Info sur les tours, si tu peux venir me récupérer dès que tu peux, merci. Coma. Vas-y, viens, Canada, viens. Info chaud, le bijoutier, toujours les derniers points. Non, c'est bon, j'ai clean les box. C'est reçu. Si le Pax est coma, emmenez-le sur le toit, on peut l'extraire en hélico. Ouais, des Douglas, on continue à vérifier s'il y a personne d'autre. La fille, continue à cleaner avant. Faut tout éclairer sur tour armé. Ok, tour RS. Général, toujours à la mer. Général, Alpha, Alpha pour DD, je te ramène un masque et tout. On repart le tour, la bijoutier. C'est une là. Dans la tour bijoutier, le Pax, vous montez sur le toit, vous l'embarquez dans l'L4 qui est au-dessus de vous. Ok, bijoutier, tour bijoutier clean, les gars. Rafi. Ah putain, il est où la sortie? Jeff, pour ok. Dépendamment pour comment aller, vous pouvez le rater le Pax, c'est la scène de son maîtrise des soins. Ratez-le. Bien pris, toujours là, merde. Mettre en cabinet. Jeff, pour l'ensemble, on a un hélico de la police à. Sur le point bijoutier, à choix. Allez hop, on se casse. C'est normal, c'est le mien, je vais appeler la fourrière. Oh. Général est vivant ou pas? Ok, de alpha pour tous, on va appeler la fournière pour l'hélico. Allez Dylan, mène-les-nous à la victoire. Bah, c'est le policier qui arrive pas à l'embarquer. Non mais je suis bloqué dans le tour. J'arrive. Encore des blessés sur zone ou pas? Alors, qu'est-ce que vous racontiez tous, mes loulous? Jason, yo. Alors, petite question en tant que recrue, on doit monter avec un grade en voiture ou on peut par exemple monter avec deux recrues et un gradé. Deux recrues, un officier et un recrue, un gradé, ouais. Oh gros, c'est ça les gars. J'ai rien compris là sur cette action. T'as compris quelque chose toi? Moi je sais que j'avais un GoFast de LSD, mais fini maintenant. D'accord. Vous l'avez? Affion là, mais il est pas commun je crois. Non, un n'est pas commun. Veuillez qu'on a un nom, c'est Monsieur Alfred ou Portman. Hey Capi, comment ça va? Il comprend, on repasse qu'on a 3 s'il vous plaît. Je te commande. Bon, moi, ouais, non, c'est ça. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ah, je sais. De Charlie pour des. Transmet. On vous ramène le commandant, le général, si vous voulez reprendre votre patron. Affirmatif, il est où là? Il est à la BA? Non, on est derrière. De quoi? J'ai pas compris. Derrière vous. Ok. Attends, je vais. Tout le monde a été extrait? Allez, roule, masque et tout. T'es reçu. Général. Affirmatif. Bien pris. Salut. Salut, comment tu vas? J'ai failli crever parce que vous savez pas communiquer entre vous en fait.
Pourquoi? Quels sont les autres pour Viper? Bah, je sais pas, peut-être parce que tu m'as mis dans une voiture. RTB, le mec qui ne savait pas et qui nous baladait pour les Viper pendant 5 minutes. Bah, bah, personne savait qu'il était là en fait. Pour tous, les Alpha, on va juste demander au médecin d'aller un petit peu de sang. Mais voyons, au général, je ne suis pas du genre à vous laisser par terre hein, en train de d'agoniser. Bah non, j'étais en train d'agoniser dans la banquette arrière, tout le monde s'en battait les couilles. Oui, parce que c'est pour ça que j'ai rappelé sur la radio. Les gars, vous avez le général dans la BM, vous me le ramenez, PM. Hein. Tiens. Ils sont stressés, les jeunes. N'importe quoi. Ah, les jeunes, c'était du mat quand même. Hein. Ah, les jeunes gradés. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est parti en code noir encore là? Je sais pas. Ça me fatigue ça. J'ai mis des merdes d'être mineur dehors. Il est dans notre robe. On va regarder ce que c'est. Et Jackie Tuch, vas-y arrête ton voir là. Hey Jackie Tuch, t'as cru que t'étais dans le nord là, en train de faire du drift sur ma pelouse là? Pardon, ouais je faisais un peu du cross. Ouais mais c'est mon terrain là, t'es en train de labourer mon terrain là. Hey Captain. Quoi? Hey Captain. Je suis pas capitaine. Donc, maintenant, tu vas garer ta voiture correctement, tu vas la fermer à clé, et tu vas me passer un râteau sur tout le long. Et à chaque fois que je passerai là, je veux voir que tu ratisses mon terrain, t'as compris? Non mais je rigole pas là, t'as compris? Je passerai toutes les 5 minutes tu passes le râteau, t'as compris? Ouais j'ai compris. Ouais c'est parti. Allez ça part. Vas-y amène-moi et je t'ai un hélicoptère. Tu bouges pas, tu ratisses mon terrain. Sinon je t'interpelle et je te mets en prison. Allez hop. Respect. Les jeunes de nos jours. Ouais. Salut Tonou, ouais merci. De Bellic, nous on prend juste le nom du propriétaire. C'est bizarre, mais depuis que ça tire plus, t'as fait moins 8 quand même. Hein. On a qui à moi? Ouais, toi. Ah oui, c'est bizarre. C'est ouais, chelou. C'est drôle. Putain, j'avais encore les talents. J'avais encore 32. J'ai fait un petit ravitaillement de soins. Ouais, j'ai pas entendu moi. Dragon 2 pour CPA lead. Allo? Qui m'a parlé là? Personne? Ah, ok, c'est bon. Ah, je croyais que quelqu'un m'avait parlé de quelque chose. Ouais, bah j'attends que. Je vais chercher à boire et à manger. Bah j'attends que. Bah tiens, merci pour votre ouais. ODD. ODD? Vas-y, passe-moi ton chéquier. Attends, j'ai un truc pour toi, Luan. Quoi? C'est enfin mon invitation. Ouais, enfin. Au barbecue et à la soirée. À la soirée Q, ouais. Tiens, ça. Ah merde. Ça te pensera à ce que t'as dans l'entrejambe à l'odeur. Ah putain. Mais tu calcules de toi. Trop drôle. Ça c'est méchant. Pourquoi? Pourquoi? Non mais c'est pas ça. Mais t'as pas compris? Eh ben réfléchis. Quand t'auras compris, tu viens d'en boire. Non mais. Je t'ai donné un truc. Ouais, et tu dis ça te rappellera l'odeur que tu as entre l'entrejambe. Oui mais j'ai rien reçu en fait. Ah. Ah. J'ai rien reçu. Rajoutons à cela la tentative de meurtre. Ainsi que Ah mais t'as pas le place en fait. Ah oui. Passe canal 6 et ramène tes fesses. Voilà. Vous avez dans les grandes lignes ce que vous avez. C'est bon. Nick. Oui, vous inquiétez pas. Parce que je pense que ça mérite. Cobra pour Kanamo. Voilà, c'est mieux. Ça te rappellera. Je suis mort de rire. Ça te rappellera Pikachu. On a un pack ici du coup qui s'est rendu, qui a coopéré. On voudrait savoir s'il y a moyen d'avoir une remise pour lui ou parce que le monsieur il voudrait parler. Bonjour, je suis commerçant. Moi je donne 75% de tatane. C'est le commandant de la boîte à cul. Ouais, ça te dirait la boîte à cul ou quoi? J'y suis déjà allé, c'était pas. Et alors, t'as aimé? J'ai rencontré votre femme. Et? Oh putain. Il a fait 4 ans. Et du coup? Du coup, je vais multiplier par 4 le port d'un pour Ok, ah bah justement, ça tombe bien, elle est là, ma femme. Et tu sais ce que c'est sa spécialité? Injection de morphine à haute dose. Elle ne maîtrise pas trop la dose en fait. Tu vois il, je porte d'un prohibé, il a fait 4 fois. Tu te bouges un petit peu là, il y a déjà. Ouais, on se bouge. Donc tu fais x4. Porte d'un prohibé x4.
Bah, il l'a fait 4 fois, plus celle-ci, ça fait 5, non? Mais tu vas te détendre là, parce que sinon, moi j'arrête de sauver des vies. Allez hop, c'est parti. 3, bah plus cette fois-ci, 4. Donc, 4 fois. Plus cette fois-ci, combien? Ouais, moi j'ai l'un, on vous attend là. C'est ça. Non, c'est moi zappé. Toi de ma gueule, tu vois. Allez, Douglas, monte dans ta caisse, on se casse. Oh, on y va. Il va mine d'or. Et les braqueurs foules. Braqueurs mine d'or. Enfin, il les a franchis, mine d'or. Ouais, bah. Ouais, toutes les unités disponibles sur la BA direction Minder et les affranchis braqueraient sur leur territoire au niveau de la Minder. Allez, go, 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 go. La Minder. Ouais, Minder. Bon, pendant le trajet, j'ai un petit peu de temps du coup. Avec Masqueton, on risque de casser une fois ou deux, donc. Tranquille. C'est reçu à la BA ou pas? D'accord, c'est pas reçu. Oh putain, il y a des coms ce soir, c'est incroyable. Unité BA de DD. On se réveille, allô. D'accord. Bah écoute. Personne qui écoute. Bonjour, je suis nouveau, j'ai joué sur Heure. Alors, salut Raph, comment tu vas? Oh, un petit Suisse. J'espère que tu es aussi fondant qu'un petit Suisse. C'est non, un petit peu long, là. Bonjour, je suis nouveau, j'ai joué sur Hit avec des gens, avec des gars qui ont fait 3 ans d'Arma. Ils étaient ouf. Ah, par rapport à la qualité du jeu, c'est ça? Ah merde, du coup j'ai oublié la salle. La salle, merci de ton follow. Merci de ton follow, la salle, bienvenue à toi. Rejoins-nous sur Discord, sur YouTube, pour voir les lives, mon petit la salle. Merci, bienvenue à toi. Je rejoins les unités sur Midor. Salut FireS, salut Jesse. Oh, il y a encore des gens à la BA, tout ça. Reçu. Ton endroit, les affranchis? C'est pas les affranchis dans l'est? Les affranchis sont à Tira. 15. Pas sous le terme, exact. Tu me parais plus poser une game. Il y avait des familles, ils faisaient des provocations, pas sur du terme exact, pas sur du terme exact, et du RP de malade. Toi, tu me parais plus poser une game. Ouais, ouais, alors Raph, ça se voit que tu viens d'arriver. Voilà. Vous faites quoi là? On va à la mine d'or, hein. Je sais pas ce que tu vas là, mais. On m'a volé ma maison, je pouvais pas payer une amende, je trouve pas. J'attends les autres unitaires. Ouais, parce qu'on est un peu tout seul là en fait. Ouais, t'en étais tout seul, du coup on a dû les attendre. T'as raté la sortie, c'était à gauche. Ouais, ça va. Non, mais là-dessus, j'ai déjà gueulé hier hein, par rapport à ça. C'est trop long. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Faut que les mecs ils se bougent un peu le tartignon là. Faut que ça se bouge le tartignon, moi je dis, hein, bordel de merde. Ouais, on avait compris la première fois, tu sais. Ouais, mais je suis en mid-life, ça m'agace. Ça m'agace. Ça peut être que t'as pris trop de retrouver un coup, du coup ils ont pas l'habitude. Ça. Non, mais y'a pas que Viper, hein. C'est surtout Cobra en fait. Tu
tu vas dire ça à Sherman, ça va faire plaisir. Ah bah je vais lui dire, t'inquiète pas quand tu vas le voir. La banque elle a été lancée, on a quand même mis 20 minutes à arriver sur place. Hein. 20 minutes? Ouais, moi je dis ça, je dis rien quoi. C'était hier ça? Avant-hier. Oui, ça tu m'en avais parlé, ok. Donc, voilà. Hier on s'est traîné la bite 10 minutes pour être rééquipé. Moi je dis ça, je dis rien. Allez Viper là, maniez-vous putain! Putain, c'est pas possible. Hein. Ah, il m'agace, hein, des nouveaux là. Heureusement qu'il y a déjà CPA plus machin, pas ce qu'il y en a là. Ah, du coup, de Jeff, le camion qui part de la mine d'or là, c'est le livreur de pizza, justement. Ok, dans ce cas, ça suit. Peut-être le deuxième. Nec. Un mec, justement, il vient de partir. C'est celui ah, qui okay, part, pardon, ok. Tu as trouvé les armes qui sont cachées? Nec, j'ai rien. Vous avez peut-être rien, mais je sais pas, c'est bizarre, ils sortaient comme ça dans les buissons pour se planquer. Deux individus interpellés qui faisaient de l'off-road, potentiellement les individus qu'on nous a signalés par message en attente. Déjà, on a une équipe, on a un équipement illégal, ils ont une trousse à outils dans le van. Par contre mon véhicule vous l'embarquez aussi. C'est pas j'ai confiance. Je vais le faire voler, ça va ou pas? Aïter transporté pour CPA. CPA confirmé le L4 à 300 à 10 minutes. Me redéposer à la LCO parce que... qu'on était en taxi ou quoi? Le Jeff vous avez un L4 à 300 sur notre position là. T'as cru qu'on était en taxi ou quoi? Monsieur, s'il vous plaît! Pour le CP, ah, si une seule condition. Tu me fais rire, si tu me fais rire, je t'emmène. Si, si tu Dragon 1 ou 2, si vous l'avez, vous allez. Je t'emmène. Il est en train de dépasser la colline direction la Oil. Allez, allez, fais-moi rire. Non, non. Quoi, non, bah je t'emmène pas. Monsieur, s'il vous plaît! Fais-moi rire et je t'emmène. Dragon 2, j'ai rien du tout. Pareil. Allez, parti. Pensez à Zibut 320. C'était pas dur, en plus t'es plutôt bon public toi. Non mais j'aurais parié exprès en fait, c'est honte. Sierra de Viper, c'est géré du coup. Affirmatif. On rentre chez Viper, passe à Scandale 2. Poison T Sierra, passe à Scandale 6, direction forêt. De Timers, on prend le convoi, dans 6 minutes on est au vendeur de pétrole. J'ai kiffé le tché. Ok lol, ouais. Bah disons mon petit Raph que le RP bah c'est suivant les situations en fait. Voilà. Ouais c'est parti vendre notre pétrole, fais gaffe à passer mes traders. Fallait être gentil, Byron j'ai kiffé. Encore un peu de temps on va t'y aller. Oh. C'était un petit peu light pour être une équipe revendiquée complète là. Qui, moi? Je sais pas si c'est Stardy qui raconte des salades, mais. Pourquoi? Hein? De quoi tu me parles? Je te parle de ce qui vient de se passer là en fait. Ah oui. Faut que tu dors toi la nuit. Ouais. Faut que je reprenne le rythme normal. Plus de mon âge, c'est connerie. Oh, t'as un lève-tôt toi? Ouais. Quinze heures. Ah, lui aussi c'est pareil hein. Nos familles font des revendications sur sur vidéo oh, c'est pas sur bien, le, ça. Ça, c'est sur pas le cool, forum. C'est pareil, c'est pour ça qu'il y a le forum en fait. On a un forum. Répondez à la longue. Répondez à la longue, on prend la de Viper. T'as dit combien de packs là au total? Beaucoup. Les packs armés. Passer canal 1 là, on va intervenir avec CPA. Ah ouais, oh putain, okay, mais d'accord. C'est une blague.
Vous êtes fort les gars, respect. Passage canal 1. Ouais, fort focus. Elle a pas de train, hein, ta voiture. Pas mal Albertino, tu... Franchement classe. Ah désolé. Ouais. Bah tu tournes. Tourne le volant, t'as un volant pour tourner. Comment vous parlez de... J'ai tourné mais en même temps avec les freins en fait ça a juste... Bah tu freines pas, tu tournes et tu freines. Il y a un convoi de la rue, je leur ai dit qu'on serait présent, sauf que Viper doit s'occuper du truc de cigare, donc je vous laisse en occuper en sortant de la BA. Neg, on a une évasion là, la BA, on va le rechercher 5-10 minutes, si on trouve on ira, mais bon. Attends, j'ai entendu ce que j'ai entendu là? Je vais pas répondre. On est bien canal 1 là? Non mais j'ai entendu là, évasion. T'as entendu comme moi, évasion, oui, t'as bien entendu ce terme. Oui. On aurait besoin de vous là sur le traitement. À tous, c'est quoi cette histoire d'évasion là? Ouais, on va arriver et ils ont cassé le véhicule. Enfin, on a perdu un des cassés, donc on est sorti de la BA. Qui a perdu un mec dans la BA? Qui a perdu un mec dans la BA? Cobra, on est en train de le rechercher dans la BA. On sait pas s'il a disparu, s'il a quitté l'île ou s'il s'est barré. Jeff, pour Viper 2, on va s'occuper du convoi de la Hoye une fois qu'on aura traité les deux individus. Nous, on va où là, du coup là? Excès reçu pour Jeff, s'il te plaît. Reçu. Ah, mais Masketo, elle est longue. Ouais, c'est plus moi qui prends Jeff. C'est moi. Reçu, Jeff. Ouais, go au traitement, il y a 3 VL qui se baladent et un Pax dans la forêt à la colline. Le traitement, il est où? Les camions sont en train de partir, j'en ai l'impression. De Cobra, direction. C'est bon, on a retrouvé le Pax. Vous les laissez aller sur l'acheteur ou... Bah allez, vous placer rapidement. On n'a pas le point de l'acheteur. Ah, de Douglas, c'est pas dealer? Non, bon, allez, on les chope là. Donc de Dragon 2, je compte 7 VL et 2 camions. Combien de VL? 7. Est-ce que c'est que ça encore? Non, Rage. Ah, cette VL, on les tape pas tout seul. Il y a un pack ça va être deux. Et qu'on a cassé, on répare. Vous êtes sérieux? Qui c'est qui a cassé là? Et on a un pack tout seul sur Doc. Ouais, de Charlie, on est sur eux, on met les sirènes. On vous attend, bougez-vous un peu. Ça a pas marché, ça a pas marché du tout. T'as supprimé les points? Ouais, ils sont plus à jour. Ils sont partis. Faites attention, vous avez des véhicules assez loin du convoi. La gag? Ah non. Bien la gag. Pélite 2 Alpha. Vous pensez que ça va péter ou pas? Ils protègent les camions donc ils voudront pas qu'ils se... ils veulent pas qu'ils se rendent. Mais ils veulent discuter. Ouais c'est parti. Moi je peux pas conduire là. Allez, bah s'ils veulent discuter tu leur dis de s'arrêter et on discute. Allez. Ils sont en train de séparer les camions, Ça bloque, un de nos véhicules. Il y a deux véhicules et certains un par véhicule. Prenez chacun un camion, un VL et on se concentre. C'est reçu. 4 VL sur Alpha. 5. Du 2 par VL, il y en a un seul où il est tout seul. L4 sur la droite de Dragon 2. S'il y a deux L4, chaque dragon prend A1. Dragon 2, je prends L4. Et 1, toi. Dragon 1, du coup. Ouais, c'est compliqué là quand même. Il y a un camion qui a cassé. Sur position Charlie, on a un camion qui s'est arrêté. Ça se pose, t'as vu? Concentrez-vous sur le camion qui a cassé, vous l'encerclez là. Il a pas cassé. Négatif, il a pas cassé.
tireur de Viperhead. Transmet. Dépêchez-vous de traiter vos packs là et vous bougez de, ramener, de vous ramener sur nous. De Alpha, on se dirige sur un camion là avec 3 VL dessus. Une garde avec pas de ça. Là, tu me réponds à ce mec là, Dédé? Ouais. Salut à Cisaï. Ouais, limite qu'ils repartent avec leurs deux camions, mais je veux pas qu'ils repartent avec leurs armes. Pour tous, un ami Ingbert s'est joint à nous. Sur lead pour Viper info. Radio, vous le recevez? Cette VL plus le camion en direction de l'acheteur de cigares. Radio, on entend. C'est reçu, du coup on abandonne la hoy. Merci. Comment on va se charger? Bah, de Alpha, on a les deux camions devant nous avec plein de véhicules et deux hélicos. Trois hélicos. Attention les gars, station ouverte les gars. Réitérer. Négociation en cours. Jeff, si vous avez vu, on a un message qui vous concerne pour les unités sur Négo encore. C'est fait. On est encerclé. Pour tous, on a cassé. Alors, va à la tour solaire à gauche. Allez, placez-vous autour de celui qui a cassé là. Tu répares vite et on repart. Je répare. Pour tout, j'ai un VL qui s'est arrêté en face de moi. Attends, c'est la négo, c'est la négo. C'est déjà en cours, les discussions. Bonjour monsieur. Eh, arrêtez de le coller, c'est lui qui va discuter avec moi. Viens voir, fiston, on va discuter. Cobrahead pour Viper Lead. Descends, descends, on va discuter. Ouais, ouais, dis-lui qu'il y a la négo. Allez, dis-lui de venir là. Je vais envoyer un message téléphonique. Transmet. Vous êtes dans non, non, mais reste là. Mais putain. Il y en a un côté de notre véhicule. On a un camion qui a cassé sur poste CPA. Bah, c'est toi le négo ou quoi? Y'a personne qui veut parler ou quoi là? Ah si, je vais descendre. Ah bah voilà, bah putain Fifi, merde. Bon, arrêtez de tourner comme des abeilles, on va discuter les gars là. Oh, ouverture d'esprit un peu là. Ah putain, pour une attente. Rien sécurisé dans tout la négo là. Hein? Alors, bon, oh putain. Venez nous casser les couilles ici. Bon, déjà arrête de commencer comme ça parce que tu sais très bien, mon petit Joe, que c'est pas comme ça que ça va se passer. T'inquiète pas. Déjà, tu m'appelles pas Joe, d'accord. Ah bon? Bah, je t'appelle comment alors? Je m'appelle Fifi, je t'appelle Dédé. Ah bah écoute, mon Fifi alors. Bon, Fifi, Dédé, on fait comme ça. Bon. Écoute, moi je te propose un truc. Propose quoi? L'acheteur de sel. Je te laisse tes convois, mais tu me déposes tes armes. T'as cru sérieusement que j'allais déposer les armes de tous mes hommes? Bah ouais. T'as vu combien on est? Bah ouais, t'as vu, tu sais combien on est nous? Et alors? T'es sûr? Tu veux. Allez, mon petit Fifi, tu vas pas déjà commencer à fermer là? Alors? Bon, moi, ok. Je me ferme pas. Moi, bah si, tu te fermes. Je respecte les accords qu'on a mis en place. Quels accords? De notre côté. On vient pas vous emmerder de votre de côté. De ces périodes actuellement, c'est en train de. Mais c'est pas de ton côté encore, mon petit Fifi. T'as pas de papier, t'as rien là. J'en ai rien à foutre. T'es sur un territoire gouvernemental, t'es pas sur chez toi en fait. C'est pas possible ça. Mon petit Fifi. Faudrait dire au grand que j'ai les camions de vente du coup. Parce que. Tu sais, mes hommes, quand je sinon, ils ont ce qu'ils veulent là. Bon, confirmé, c'est des civils. Pense un peu à tes hommes, ouais, pense un peu aux miens, pense un peu aux tiens. Tu sais ce que c'est, deux montagnes? Moi, je pense aux tiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence entre toi et moi en fait. C'est parce qu'en fait, toi, tu t'en fous de tête des tiens, mais moi, je pense aux miens et aux tiens. C'est ça la différence. Tu sais, mon petit Fifi, quand deux montagnes se croisent, celle qui est la plus haute, c'est souvent celle qui est au-dessus et qui réfléchit pour les deux. Tu vas en théo, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je laisse nous couvrir de loin là sur la zone de Négo. Donc toi tu penses pas au tien, mais moi je pense au tien. Vous faites attention à ce que vous faites. Et les gars c'est pareil hein, vous faites pas les couillons là, ça négocie donc vous faites pas les couillons. Du coup on les laisse vendre? Négatif. Ah ils sont en train de vendre, faudra intervenir là. Bon Fifi, pendant que tu en discutes, t'es en train de me la mettre à l'envers là et tu forces tes gars à vendre là-bas. C'est pas une négo pour moi, tu vois ce que je veux dire? Informations sur ce qui se passe, s'il vous plaît. Quoi?
Les Viper League pour Cobra Lead, vous partez direction les CPA sur leur position là où il y a eu l'appel de détresse. Bon allez. L4 Galibo, tu t'achètes deux cigares. Alpha pour Vegil. Non, non, c'est pas... Non, Fifi. Fifi, c'est pas comme d'hab, Fifi. Tu racontes des conneries. T'es en train de me la mettre à l'envers sous tes négos à deux balles. Dragon, tu me lâches pas l'L4 s'il arrive. Hein. Allez, tapez les camions. Tapez les camions, les gars. C'est bien pris, l'Alpha. Tapez les camions, les mecs, ils vendaient à tout le monde. Cobra, vous foncez pareil, vous courez. Dragon 1 sur zone, il y a un VL et deux camions, ils vont extraire. Bien pris, ça va les camions, tapez les camions, Cobra 2, vous foncez sur position, Cobra 2 va rester en retrait vu que je suis médic. Je vois rien du tout. C'est rapide, on a deux VL noirs avec Pax en derrière. 3 VL, correction. Ah mais le gars, il est chez lui. Individu menotté. Attention, ça va menotté. Je comprends pas. C'est noté, vous êtes prêt à faire aussi sa menace. Menace, c'est armes en l'air. C'est noté. Qui a dit code noir là? Ça, on a menotté, faites attention. Ouais, mais dites pas code noir, les gars. Est-ce qu'on emmène les mecs dans les VL? Bah, il est con lui. Code noir, c'est menotage. Hein. C'est quoi ces gars qui comprennent rien encore? En direction Calacherie. On se concentre sur les camions. S'il vous plaît, on fait quoi avec les packs? Enfin les clients là, on les met dans les VL police. Oui, vous les extrayez là. Non mais l'autre, il a cru que c'était chez lui, tiens. T'es énervé, lui, qui parle. Le Fifi là. On t'entend trop fort, toi. Ouais, je viens de baisser. CP à prendre l'altitude, je veux savoir où ils sont là. On met dans L4 ou MIGBER? Actuellement, j'ai 4-5 VL qui arrivent sur zone là. Vite, dépêchez-vous d'extraire. Y'a pas Delta remonté. Delta remonté. Ok, c'est dans le mur. Dépêchez-vous. Ils sont où les VL ennemis là? Ça sort de son VL, faites gaffe. On a 2 VL sur dock. J'ai 2 VL sur dock. La Shelby, la Shelby, remontez là. Là. Bougez, là. Ça commence à se placer, prendre un peu leur distance. C'est bon, L4 on revient sur vous, L4 revient sur vous. Bon, les clients là, les trafiquants, ils sont embarqués dans le Mingbird. On a un L4 qui se pose calo. Ah là là. Je peux lire un message, voir s'il veut réessayer de négocier. Aiden, ça va sur vous? Afi, repart. C'est bien brisé. Y'a quelqu'un sur vous? De CP à l'île pour tous. C'est le sud. Il reste de la drogue dans les camions, faudra aller les rechercher après. C'est reçu? De Dragon 2, j'ai un pax isolé de l'L4 là qui est au garage de Kalochori. C'est reçu, pareil. Bien pris, Cobra Lead, on converge leur position. Cobra 1, venez avec nous, Cobra 2 aussi. Reçu de Cobra 3. Reçu de Cobra 3. Cobra 3, on est sur Z presque. Quel amour vous accompagne de Cobra 2? C'est bien pris. Où sont les autres Vipers là? Qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé sur le pack, Cobra Lead? Il y a son collègue qui vient de l'extraire en voiture noire. Il est devant nous. Et on va voir ce qu'on fait, s'il coopère, s'il coopère pas. Pour le moment, faites attention, ça a été menotté, donc potentiel code noir. C'est pas avec le vous avez menotté que des mecs qui sont pas eux, donc c'est bon. Véhicule à notre droite, ça va. D'accord, bah vous leur demandez de s'arrêter. AVL blanc sur Alpha. Du temps avec des négociations et on va voir ce qu'on fait. Un VL et une porte. Ça va être pas bravo là. Ouais, ils sont tous là. De Alpha dans Skyline, il passait à 2 Pax, il a récupéré un Pax. Affiché, c'est l'L4. C'est le sujet. Bien pris, donc Cobra Lead et Cobra 1, on va prendre. On va faire autre chose. Cobra 1, on prend la Skyline. Cobra 2, vous prenez la Focus. Cobra 3, vous prenez la Shelby Blanche. Est-ce que c'est clair? Ça va, c'est Cobra 3. Kanamo, t'as 4 VL sur toi. Affiché, j'ai vu. Un VL qui a cassé.
Allez, focus, la scalade est en dessus. Sur la position, ok, calmez les coms, s'il vous plaît, calmez les coms. Ah bah, il a été extrait. Prenez la plaque. Cobra 3 en fin cercle. On a une scaline noire aussi. Ils sont où Cobra 3? Ah fille, y'a beaucoup de véhicules, là, on a besoin de toutes les possibles. Ils sont les Reapers, ils sont là aussi. On est là, t'as là à côté de toi. Ah fille, ouais, j'ai Sierra, Sierra, on a lead, on a un VL là, au côté des maisons en ruine. Ford Focus noir là, qui redémarre. J'ai vu 3 Hummingbirds si je me trompe pas avec Pax dessus. Dragon 2 pour Dragon 1. Hein. Transmet. T'as perdu ton tireur. Ah putain, fille. Ça shoot ou pas? Tu peux envoyer un message à TKDD? Salut, je suis en train. Ah, dans les grands bambous là. Je lui dis qu'il faut qu'il. Je lui dis que discuter c'est échanger et fermer une discussion c'est pas négocier. Ils s'en vont vers le fort. Il sait comment ça marche, il était à la maison. Oui. Pas lui. Des petits copains là. J'ai pas compris pourquoi il a cherché direct. Hein? J'ai pas compris quand il a dit. Il me cassait les couilles, je sais pas pourquoi. Bah ouais. Mais tu sais, ils ont été un peu cons parce qu'en vrai ils auraient juste lâché les camions et pas enfin, réglé quoi. Bah c'est ça. Bah non en fait. Dragon 2 pour Dragon 1. En fait ils veulent... On va prendre un tireur du Delta. Ah c'est la Rampage, ils veulent tout. Mais c'est pas possible tout. Ils sont 1, 2, 3 devant nous là, 4. Ouais. T'as répondu ou pas? Non, je réponds plus. J'ai les camions qui parlent. On a récolté le tabac et tout à l'acheteur ou pas? Bah ils ont vendu, on a tout, clean. Tout récupéré. Clean. Reçu. Du coup de Cobra Lead ici j'ai apparemment leur chef et du coup autorisation de gâcher les discussions avec lui. Vas-y. Merci. Pour l'instant, vous couvrez la zone, nous irons chercher les camions plus tard. Autorisation de les fouiller, tout simplement. Ah, vous êtes Sierra, les gars. Neg, c'est Viper qui fouille. Non, c'est Sierra qui fouille. Ah, Sierra 2, on arrive sur la zone. Attention, ils ont des mecs dans les coffres, dans les patrocus. Reçu. Dragon 2, on s'éloigne un petit peu, on va refuser. Ça part en couille, vous savez ou pour rien? V-Alpha pour Sera. Hey. On reste en cover. Hein, pour... Reçu, merci bien. Jeff pour CPA. Je transmets. Vous avez au niveau des tours solaires deux packs qui sont, enfin deux personnes qui sont en train de monter. Je vous mets point sur. Avant moi Canamus. Alpha pour. C'est reçu. Camion fouillé. Je peux passer la com. Sherman pour DD. Transmets. Le mec est en train de négocier, c'est Joe McKenzie pour le. Tu peux venir sur le négo s'il te plaît? Il dit à Joe qui va. Fille.
Il y a une certaine Joe qui veut te parler. PMA active, Pharos. Oh, baisse ton arme, toi. Hop, écoute, écoute, Jack, on discute, baisse ton arme. Direct, direct. Baisse ton arme. J'arrive dans deux. C'est des mecs qui veulent se faire passer pour nous. Je sais ce que je dis, d'accord. Je sais tenir mes ans. Encore à vous. Dis, t'as sauvé une fois, tu l'as aidé une fois, c'est bon. Qu'est-ce que je viens de te dire? Écoute, écoute mon petit pote, y'a pas que toi qui va me faire tomber, d'accord. Qu'est-ce qui... Eh, les gars. Ah, Canamon, enfin quelqu'un avec qui je peux parler. Enfin, Bralid, mettez-vous en position. Ouais, écoute ton collègue là, parce que là ça va me chauffer. Tu parles fort. Je suis commandant, je suis leader, Viper et superviseur Syrah en fait. Voilà. Pas dans l'ouest, dans l'est. Putain. Alors, c'est bien, je vous ai également placé un deuxième point sur la deuxième tour solaire où il y a un pack sur toi, on le voit pas Canamon. Plus de. Ouais, capturer des flics. Vous les avez en vision, Théo, au cas où? Non, mais attends, il va t'expliquer, Canamon, que nous, moi, on va capturer des flics. Je vous les laisse du coup. Parce que quand je l'ai sorti de la merde, hein, il était au de Coral, il était de la merde. Pas ce canal de. Je l'ai sorti de la merde, hein. Je l'ai sauvé entre des mains d'autres rebelles. Au lieu de dire qu'on veut capturer des flics, comme tu dis, c'est ce qu'on fait nous dans l'est, d'accord. Pas trop positionné là. Parce que là, ça commence. De quoi? Il y a un problème? Il y a un problème? Ouais, je sais que c'est fait exprès. Ouais. Ouais, bah apparemment ça passe pas le message avec tes copines. Merci Raph. Merci beaucoup. Dave, pour Canamo, fais attention, voilà. Je crois qu'il y a un mec dans le coffre. À toutes les unités de police, là, il y a une négo en cours. Ouais. Vous mettez des pauses, vous arrêtez de tourner avec vos véhicules. Ouais. Mais c'est pas couvert des tours solaires surtout là. Cobralid pour Doc, est-ce qu'il faudrait pas demander une PMA à tout hasard? Elle a déjà été demandée à Pharos. Nous, on fait de mal à personne, d'accord. Les gars, ouais. Vous occupez pas des PMA, vous inquiétez pas. Alpha pour Syrah. Ouais. Oui. Si vous voulez, j'arrive trop sur vendre dans HLB si ça intéresse. J'ai déjà notre business, tu le sais. T'as LRPS ouais. Et munitions avec? Bien sûr. Ouais. Ben alors. Ouais. Ouais. D'accord, et qu'est-ce que... Et si je te dis, tu vois, que je m'en bats les couilles de ton gouvernement, moi, ma petite vie paisible dans l'Est, c'est ce que je demande, d'accord. Et moi, ce que je demande, c'est que, avec tes copines, vous arrêtez de me casser les couilles. Ici, moi, ton gouvernement, j'en ai rien à foutre. Tant qu'ils viennent pas me casser les couilles, j'en ai rien à foutre de ton gouvernement. Ben oui, je sais que c'est pas chez moi, mais on y est. On est installé dans l'Est. Jeff, pour CPR, on a lâché les deux tours, il y a un VL qui nous a rajouté où on a bougé. Ouais. Ah, si. Ça va, si. D'accord. Tu sais qu'on va pas se laisser faire. Tu sais. Ouais. C'est dommage. Tu sais que ça va partir en bain de sang, tout ça. C'est ce que tu veux. Mais tu sais que si on dépose nos armes, tu sais que dans 5 minutes, on est équipé deux fois plus. Tu sais que tu reviendras pas les chercher, parce que je pense qu'il y aura des morts avant.
le sais très bien, tu le sais très bien. Tu auras des mois. Ferme le véhicule. Donc moi, ce que je te propose, afin que tout se passe bien, c'est que vous partez à l'ouest. Si tu veux, je te dépose mon arme, comme ça vous serez content, vous ne repartirez pas, sans rien. D'accord. Et que vous arrêtez de passer. Parce que là, franchement, là, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai plein de cul. Ouais, mais je sais de ce que j'en pense. Donnez gosse pour regarder. Ouais. On se met, on écoute. Donc, le monsieur Joe là me dit que non, du coup, qu'il y aurait des morts si jamais on essaie de leur prendre leur arme. Donc, j'ai dit que ce qu'on voulait, bah, c'est qu'ils s'endient et qu'on prenne leur équipement, tout ça. Il m'a dit que lui, la seule chose qui pouvait se passer, c'est que lui, le négociateur, donc Joe, pose son arme et c'est tout ce qu'il y aurait. Mais pas plus. Donc il refuse, donc demande de marche à suivre sur le négoce. Bah tu renégocies, tu continues à négocier, tu trouves une solution. Ils fermaient, ah bah voilà, bah c'est ce que je dis depuis le départ, ils sont fermés. Ça partira en même sens si jamais on essaie de... Ils voudront pas. Bah il faut qu'ils comprennent qu'ils sont... Il faut qu'ils comprennent qu'il n'a pas à être sur un terrain gouvernemental et qu'il est illégal, donc c'est normal qu'on le traite comme ça, sachant qu'il est connu pour prise d'otages et braquage et tout ça. Je crois pas qu'on ait de vite fait pour essayer de négocier, je vous dis que ça mènera à rien, je pense, mais... Essaye. Essaye de voir. Ouais. Parce que Katou qui lui casse des couilles, il y a celui-là. D'accord, et bien tu sais quoi, regarde, ce qu'on va faire, moi et mon collègue, on va tranquillement repartir dans notre voiture et on va attendre simplement votre tir parce que je vois que vous attendez que ça. Eh, nous la mettre à l'envers, comme d'hab. Eh, et bien c'est qu'on... Invite-le à partir vers Sofia dans son manoir là-bas. En plein sang, comme tu veux. Allez, bonne journée. Donc il m'informe qu'il remonte dans son véhicule et qu'ils attendent notre tir de sommation, il m'a dit cachement ça. Ça va partir. Invite-le à partir à Sofia dans son manoir. Mais non, il m'a dit qu'il va partir et qu'il attend notre sommation. Parce que... Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Eh ben on va le laisser partir et nous on va continuer ce qu'on a à faire dans l'Est. De Alpha, je l'ai... Négociation réussite, on s'en va, on continue notre patrouille. C'est reçu. Conduis à Masqueto. Il y en a un qui est blessé, hein, je sais pas lequel. Ah, je crois que c'est toi. Allez, à toutes les unités, vous réorganisez et on fait ce qu'on a à faire dans l'Est, Pyrgos, etc. De Cobra, pour tous les Cobras, on se rejoint au niveau de la petite station service. Pour info, la PMA est terminée. Et voilà. Pour info, je pense qu'il faut pas rester trop loin parce qu'il risque d'être dans le coin. Sniper, t'as besoin d'aide sur Echo. Oui. Alors Kanamo, je vais t'expliquer une chose. La négociation, elle est réussite parce que nous, on continue à faire ce qu'ils veulent. On n'a pas de bain de sang, on a protégé nos vies et leur vie, d'accord. On fait ce qu'on a à faire dans l'Est, ils sont pas chez eux, on est sur un terrain gouvernemental. Maintenant, on a déjà pris leur convoi et leur pognon, bon, on va les laisser tranquillement. Donc la Soma, on va pas la faire, on va continuer à faire ce qu'on a à faire ici. Parce qu'ici, on est chez nous en fait. Ça marche. Même c'est pas des camions de tabac là, c'est pas déjà fait. Pour info, j'ai juste eu peur, je sais pas si c'est une sommation cachée ou pas. Il m'a dit que si jamais on essayait de venir de prendre de force, il y aurait des morts en fait, il m'a dit. Ouais, mais comme on le prend pas de force, il y aura pas de Soma. Ouais. Il faut savoir qu'il y a déjà Soma, sachant qu'on a interpellé les gars au cigare, les gars. Non, c'était pas ces gars à lui. La protection n'est pas reconnue, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est bien reçu, c'est pas reconnu. Parfait. Allez, on continue avec les convois. Infi, on prend les convois, on va à la BR. Bon, j'en ai pour 2 minutes, je reviens. Et clic pour Jeff. Allez, cool. T'as vu le message, Logia? Fille, mais pour l'instant on est plus occupé donc on verra après, on arrive. Ah, c'est Cobra Lead pour Cobra 2, si vous nous rejoignez. La fin en route, on est juste à côté. Bien, pour tous les Cobras, passage canal 3. Pour tous les Sierra, passage canal 6.
personne pour prendre notre camion s'il vous plaît. Y'a pas d'autres crues là? Ouais. 5-2 accroche-t-elle? Non, 3. Ils sont repartis là les autres là? Ah ouais. On voit qu'on nous appellera pas sur une, ah, un braquage. Ils sont ils vous l'ont dit en radio là, c'est là. Non, pas tout le temps qu'on voit, mais on est tout seul. Ok. Bien pris. Affi, je le répare. Et voilà, je casse mon camion en cause de vous. Gamino? On peut pas faire. On peut faire quoi des points? Ah, vous pouvez vous lancer des duels. Hein? Bah, c'est le but. C'est en fait, plus t'as de points, plus t'es classé au niveau viewer. J'ai les clés, c'est bon, j'ai les clés. Je les repère juste. La commande pour voir les points, les buggers, on peut pas voir ces points. Si, je recommande, j'ai réparé, je crois. Parce que tu vois, ils spamment beaucoup moins déjà. Les bots, ouais, c'est mieux. Ah vache putain, c'est pas bien. Ouais bah je te l'avais dit. Ouais. Allez direction BA avec les convois. Y'a prêt pour Doc. Bien sûr pour Echo. Pas ce canal 2 non? Négatif, on reste canal, on est OP les gars. L'OP n'est pas terminé. Hein. Qui est où? Transmet en longue, vas-y. Transmet. Ah, attends. Intercepter 3 packs armés ainsi que des gènes sur le traitement de cigares. Pour moi, Réan est à signaler code rouge, mais rester dans les barrages quand même, on sait jamais. Oui. Reçu pour Viper Lead, on escorte les deux camions du traitement à la BA. On va se rejoindre avec les deux convois sur un. Désolé, c'est que là ils font de la protection, mais la protection aussi ça ne sert pas à grand chose quoi. Bah non. Si on somme à les autres, bah ils peuvent rien faire quoi. Bah c'est ça en fait. On a juste à sommer à 3 personnes et pas à régler quoi. On sait qu'ils peuvent pas gagner et tout. Ouais. Bah oui, à un moment donné. Bah là, je le sens un peu agacé, Joe. Je sais que t'es là en plus. Je te sens un peu agacé. Ouais, tout lui pète les couilles. Il y en a des coqs qui passent. Oh, il me pète les couilles à voler, lui. Bah ouais.
du mal à se renouveler. Ouais, c'est pas des bonnes négo quoi. C'est fermé d'entrée de jeu, donc t'as pas envie de discuter en fait. Donc moi je coupe court, hein. Kanamo il l'a dans sa poche, donc forcément c'est plus facile. Ah c'est compliqué quand même. Pourtant ils savent, hein, c'est des anciens policiers, donc ils savent comment ça fonctionne. Hein. Ils savent très bien que on a forcément quelque chose. En plus, voilà, ils savent très bien comment je suis en plus. Hein. Normalement quand j'ai quelque chose derrière, je relâche derrière. Hein. C'est pas comme si j'étais un enculé ou je voulais tout. Les négos, c'est ah. Bah oui. Moi je pars du principe sur les négociations que faut que ça aille dans les deux sens dès le départ. Qu'on trouve un point d'accroche. Une fois qu'on a un point d'accroche, faut que ce soit donnant-donnant. Je donne, tu donnes. Si tu me donnes pas et tu me fermes, bah moi je ferme complètement. C'est terminé, tu pourras plus revenir en arrière. Et encore là, j'ai fait l'effort de renvoyer un message. Donc parce que je les connais, parce que je sais comment ils sont. Mais si tu me fermes une négo, bah moi c'est terminé. Moi la négo elle est terminée. Hein. Par contre, ça a remporté le duel contre eux. Entre accolade perdant, Blob 76 a gagné Omega Farmer point de fidélité. D'accord. Ah ouais, c'est bizarre. Bah ils ont pas joué de points, c'est normal. 200. En 3 points ils ont joué. Ils ont mis 200. Après je sais que son RP c'est quelqu'un de très dur. Son RP, il joue quelqu'un de très dur, machin. La voiture devant vous avez des gros problèmes. Ouais. Ouais, c'est la seule fois où je l'ai vu jouer en police, il était tout le temps en snipe et j'ai jamais vu des gros problèmes. Merde. J'ai cassé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une trousse qui s'arrête. On est là, on est là, on est là, on est là. Qu'est-ce qui peut arriver? Je peux parler là, c'est le pont. Salut Mikey, ça va Mikey Wave? Oh bah oui, et vous mon commandant? Ah on fait des loopings sur les ponts maintenant? Ouais ouais, j'adore ça. Oh merde, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Je vois tout gris. En général. Merde. Je vois tout gris. J'ai pas loupé le camion. Ouais. Mec. Un festival de Cannes, lol. La belle fessée du général, ouais c'est ça. T'as vu un peu? Il est bien collé. Hein, hein il est bien collé. Ah, il est bien collé le général, là, donc, oui. Fatigué. Ouais. Ouais, tiens, pas bon. Mannequin. Ouais. Mannequin en carton. Dylan, t'es content de... Et qui celui-là qui dit ça là? D'être chauffeur du colonel et du commandant. Du général et du commandant. Ouais, tout le monde appelle colonel, personne ne me respecte. Hein? J'avais le commandant tout à l'heure. C'est une fierté, dis-là, non? Jeudi, on va mettre des... Mon colonel général. Ah, c'est ça. Ouais. Tu veux Wendo? Oh! Mon garde préféré, c'est le lieutenant colonel. Place. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Ouais. Je sais pas, après ils ont. Bah, tu sais, bah, on sait tous comment que c'est. On a tous été rebelles, on a tous été bandits, on a tous été flics. On sait comment que c'est quand t'es rebelle. C'est plus dur. Mais. C'est peut-être plus dur. Mais faut pas oublier qu'en face, t'as des mecs, ben bah, voilà, je vais pas me raconter non plus, mais. Comme moi, qui sait ce que c'est en fait. Donc quand on me donne, bah je donne. Quand on me donne pas, bah je donne plus. De quoi? En gros, on sait tous comment que c'est. On a, faut pas oublier qu'on a été rebelle, on a été bandit, on a été policier. Rebelle, moi, ça n'existait pas les bandits à l'époque. On trouvait ça. La police. Police d'Altis. Doc pour
Ça va toi? Il faut une unité qui accompagne ça va le doc à la station. Je te manque ou quoi? S'il vous plaît. Oh, bah, moi pour Canam. Hein? Je te manque? Je te manque ou pas? Père? Je te manque? Ah oui, vous me manquez terriblement même. Mais pas moi. Tu peux désigner une unité du bas? Charlie en arrive. C'est qui dans la voiture là? J'ai l'impro. Hop là. Mon commandant? Oui. Autorisation d'aller vite fait. Pisser, oui, tu peux. Ouais, va te soulager. Hein. Pipi ou... Mais pas ici, connard, y'a des toilettes. T'es pas un chien, non? Tu vas pas pisser contre le lampadaire, non? Ah, je vais dans les toilettes alors. Bah oui, t'es con quoi, toi? Du coup, ils sont où les camions? Je comprends pas vraiment. Ok, vous avez fait la saisie des camions déjà ou pas? Ah, ouais, monsieur l'avocat, ouais, j'avoue que je parle. Oui, oui, oui non, non, mais non, mais j'attends des clients. Ça va bien, bon comment commandant? Vous avez déjà fait les saisies ou pas? Hein? Non. Vous avez déjà fait les saisies ou pas? Un négatif, y'a un dedans. Ils sont déjà ici, que vous arrêtez. Ah, d'accord. C'est sûr? Bah si, y avait, regarde, N'Golo, ah. Tu viens de saisir 256 000. Oh là là, je suis riche. Oh là là. Cobra, bravo. Tu vas aller loin avec 256 000. Transmets pour lui. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ça va te rappeler ton petit alerte. Hein. C'est pour vous dire que Mike Obomo, il est à l'heure. De quoi? De Doc, on est plein. Il est prêt à repartir. On m'appelle. Anaconda! Il y a votre recrue qui veut augmenter de grade là, parce qu'il était prêt à baisser votre pantalon. Ouais, il aime ça, lui. Ah, bah, ah c'est même pas, c'est même pas pour monter de grade, c'est juste il aime ça. C'est juste il aime ça, c'est pour le plaisir. D'accord, parce qu'avec des dés, les journées sont toujours ensoleillées. Pourquoi 76 000? Oh, je sais pas, il était dans votre poche. Tu m'as piqué 76 000? Ouah, wow, mon commandant. Putain, il m'a braqué. Putain. J'ai pas fait exprès. T'es... Toi, la prochaine fois, tu finiras entre mes deux tranches de pain. Tu vois ce que je veux dire? J'attends. T'attends quoi? De Obamo pour Kanamo. T'attends quoi? T'attends que ça, ouais, en fait, hein. Pote. Pour le... Comment ça s'appelle? Le barbecue et la soirée. Le potacu? Eh ouais, bah t'inquiète pas. Tu vas te souvenir de... Ça m'a pas dit. Tu verras, ça va être sympa, la soirée. Toi et moi, et mes copains. Ça va être chaud. Tu vas être un steak. Tu vas être une bavette. On va te frapper jusqu'à ce que tu deviennes molle. J'ai entendu. Oui. Est-ce que je peux te donner l'argent des amendes d'être dans la liste? T'as déposé sur le bloc? Ouais. Et 4 millions 9 à donner environ. Attends. Il a dit combien? Il a dit que je dois donner 4 915 000. Désolé les gars, je mets juste le stream en. Ça doit figer, mais c'est normal. C'est parce que. C'est normal. Parce que. Bah revoilà mon commandant. Ah ta gueule. Okay. Raconte-moi un truc rigolo. Dora. T'es barré. D'accord. Bon, j'aurais une mission, t'as demandé un truc là. Ah désolé, j'ai pas entendu, excusez-moi. Raconte-moi un truc drôle, Dora. Un truc drôle? Ouais, Dora. Oh, Dora. 3 millions. Jamais, c'est foutu, 3 millions? C'est ça, 3 millions. 3 millions, 3 millions 6. Merci à Rolatrix, bienvenue dans la famille, merci de ton follow. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires sur les autres jeux. Et sur YouTube pour voir les lives et les gameplays que tu as ratés au petit déjeuner. Merci à toi mon loulou et bienvenue. Ouais, 3 millions 6. Non, c'est dans 15-20 minutes. C'est ça? Apparemment c'est 4 915 000 avec la page 2. Oh ah ouais, tout. Tu me donnes tout toi. Ouais, j'ai tout. En général, mon commandant, vous êtes disponible pour qu'on puisse repartir ou vous avez quelque chose à faire? Bah, il prend l'argent là et puis on va y aller. Dans okay. 15 minutes, je réponds à la LCO. Je leur ai déjà répondu. Ok, ça marche. Dans 15 minutes, hein. Moi, en général, il déjà se foutu okay. Bandit, il marche pas. Vous un problème. Une imprimante quoi?
Ah, je connais qui est parti chercher sur Google. Ouais. Non. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je m'en occupe, mon général. On laisse le silence, c'était très bien. Bilucci, Bilucci, bah non, c'est bon. Ah, allez, vas-y. File le pognon. Combien du coup? Bah, je sais pas. Ah, il fallait que je calcule en plus. On avait dit drôle, salut Max. Salut, ça va toi? Ah, vous voulez un truc drôle? 4 915. Oh, tu disais pas ça hier soir. Non. Tu faisais pas ah, ah, ah. Attends, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ah, Dédé. C'est bon, faites vite. Non, hier soir, bon, ce qui s'est passé, c'était... Vous êtes pas marié, mon commandant? À la Legendary Collection. Si, à moi-même. C'est bon, nickel. Libertin. Mon commandant, vous savez qu'avant, c'était un homme. Ah merde, je peux pas... Oui, je sais, et alors? Ça te dérange? C'était un de mes hommes. Ah, merde. Oh. Par rapport à... Non. Contre police. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, je sais pas, moi. Oh, merde. On tire d'abord. Non. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Parle tout seul, toi, ou quoi? Ah. Allez, on se casse! On aura quand t'auras ça. Allez, on y va, là! J'en ai une autre, mon général. La classe. Vas-y. La classe. Attendez. Je réfléchis. Et la voiture. Alors. Et là, la voiture, mon commandant. Ouais, c'est parti, là. C'est difficile de... En avant, Viper, cavalerie, en avant! Parce que ça arrête pas de caler. Bon. Bon, si je veux pas te faire décaler, monte dans cette voiture. T'as un petit rigolo. Tu vas parce que je vais les taper avec leur blague de merde. Donc, alors attends. Bon, objectif. 12-18 minutes, on a un petit convoi. Hein. À tous les Viper, direction canal 2. J'allais dire. Escortés sont en jeu en mode. Quoi? Concentrés sont en jeu en mode cliquer, je clique et je vois pas l'heure. Pourquoi? Mais le type pour lui. Non, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris là, Monster. Dumas a eu des soucis de tête, je crois. Ah, de Echo, on va faire le plein à la station et ça, on arrive. Est-ce que chaud? Avec le Duc. Merci. Chante-moi. Cite-moi un poème à mon effigie, s'il te plaît. Le qui conduit, non? Ouais, on s'en fout. Ok. Allez. Pas de Google, du coup. Hein. Sans Google, hein. Comme ça, d'instinctif, là. Oh, Springfield, oh. Tu es le plus beau. Quand j'ai vu ton wagon, j'ai joué au domino. Non? T'as dit ton wagon? Ouais, quand je vois passer le wagon. Oh, Springfield, t'es le plus beau. Moi, je m'appelle Maschetto. Ouais. Moi, je m'appelle Maschetto. Et je suis pas un rigolo. Oh! C'était beau, ça, hein? Ouais. Allez, vas-y, à toi. Sur le général, avec 10 meurtres, ça va être compliqué. Allez, vas-y. Général, ouais. Vous êtes vraiment pas mal. Quand je vois mon vélo sans la pédale, j'ai l'impression que vous me faites une décale. Pouh. Dédé dans la place. Et mon commandant? Oui. DJ Dédé, hein, parce que là. Ouais. Mon général. Oui. Oui, tu m'as appelé? Attendez, celle-là elle est bonne. Vas-y, tu m'as appelé? Vous êtes prêts? Attends, je t'ai dit qu'il y a une bonne blague. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'on met tous les crocos en prison? Parce qu'il y a des crocodiles! Bon allez! Le convoi c'est lequel? C'est Oil ou. LCO. LCO? Bon allez, on va se rapprocher de l'LCO déjà.
ça date du... Oh merde, je suis blessé ou quoi, moi? Pou pou pou! C'est comme ça les loustiques, si vous voulez. Concentré sur un jeu en mode clic, je clique et je vois pas d'heure. Ah, c'est ça en fait. Allez bien, attends. Putain. Ah, mais lunatique, il est là. Putain, j'ai pas dit bonjour. Ouais, bah oui, parce qu'à force, je sais pas. Coucou, 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 fanatique, comment ça va? Bienvenue, bienvenue, fanatique, bienvenue, Oling. Bienvenue à tous. Mon général, moi, je lis le journal de vous êtes phénoménal. Oh la gueule. Oh là là. T'as vu ça? J'en ai une bonne, mon général. Retour de Bellic. J'espère qu'elle est en bonne. Mais c'est pas moi qui l'écrit. Hein. Je vous dirai pas son nom. Mon général, moi je lis le journal et vous êtes vraiment phénoménal. Ok, Yuri, nice. Spécial dédicace à Yuri. Ça y est, il s'est fait réintégrer, il commence à sucer pour monter. Bah oui. Big Bomb, mon commandant, vous avez pas une blague? Si, bien sûr. Mais vous allez pas aimer. Si, allez-y. Quelle est la différence entre une femme rousse et un pigeon? Il y en a pas, et puis tous les deux. Les deux roucoulent. Mon dieu. Pas mal, pas mal. Moi aussi j'en ai une. Ouais, mais on s'en fout. Hein? On s'en fout. Ah, c'est bien. C'était ça la blague. C'était ma deuxième. Vas-y, moi je veux l'entendre. Snit de DD. Il est là lui? De CPA lead pour Cobra lead. Il est pas là. Il est pas là, Snit. On a plus de lead pour ça. Ah, c'est bien, vous suivez. Tu peux avoir des patrouilles s'il te plaît? Ah, tu veux pas s'envoyer la main aussi? Transmettez Cobra lead. Tu peux écouter la blague, Douglas? Est-ce qu'il y aurait moyen de vous envoyer? Mais vas-y, raconte-la ta blague. Qu'est-ce qui est marron? Qu'est-ce qui se met sur le cornet? On va essayer plus vite. Une glace, et qu'est-ce qu'il fait? Une glace achetée, deux glaces offertes. Deux glaces. C'est la quatrième fois que tu l'as fait, ta blague est nulle à chier. Non, c'est une autre, celle-là, ça tombe bien. En direction de la mine de platine. C'est vraiment énervant. Merci, mon petit lunatique, merci pour tes beats. Merci beaucoup, mon petit lunatique, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Attends, il adore que ça soit plein de beats. Merci pour tes bits, mon petit rappeur. Merci à toi. Okay. Remets-toi en question. Bon, si je remue sur ma chaise, hein, c'est pas parce que c'est pour faire chier, c'est parce que j'ai mal au cul en fait. Ma chaise me fait très mal. C'est photo de stream quoi. Alors, t'aimes pas? Putain, mais on les voit partout là. Putain, mais c'est pas possible. Mais une couche, bah putain, limite, ouais. Je crois que je vais acheter un coussin, je vais mettre ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Dylan? Vas-y, écrase le général, vas-y, écrase le général. Mais non! Oh la vache! Oh là, l'autre il m'a marché sur la tête quoi. Allez, on repart. Hop là! Bonjour madame! Commandant? Je vois que vous avez survécu à mon défibrillateur. Bonjour. C'est moi l'homme qui vous ai sauvé hier. Bonjour messieurs. C'est moi qui vous ai sauvé hier. Hier? Ouais, hier. J'étais pas là hier moi. Ah bah c'était pas vous alors. Bon, next! Merci Lunatique, merci de ton don, merci beaucoup mon petit Lunatique, ça fait extrêmement plaisir, merci à toi. Merci les gars, merci. De quoi? On va voir les clés. Sans parler. Et apparemment, vous. Les siens? Les clés du véhicule. Mais je les ai pas moi, faut demander les clés au général. Demande-lui, ouais, mon général, je veux les clés. C'est d'accord, bah maintenant vous êtes informé du coup. Non, mais non, lui. Alors bonjour monsieur. C'est un membre de Syrah. Salut Ferra. Alors encore une armée illégale dans le dos, je vois ça.
Ah ouais, là. Vous en parlez fermé là. Ah, négatif, c'est bon. Non, 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 non. Si. Ça, c'est illégal, si, ça. Si, 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 si. T'as acheté ça à un rebelle qui est venu farmer pour toi, ça. Non, non, négatif. Si, 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 si. Bon, on ferme l'entreprise. Allez, hop, c'est parti. Merci, mon petit lunatique, encore. Merci beaucoup. Bah, voilà, écoutez, merci, bah, mon partir, bisou, Mouloulou, tu me fais super plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci à tous. Je vous remercie. Super plaisir. D'accord, merci. Ah bah, tu nous dégages comme ça, toi. Vous nous dégagez comme ça, vous? Non, j'ai pas dit ça. Si, si, ouais, c'est bon. Bon, allez, à tous, vous préparez le convoi devant la DC. C'est parti, on a un gros convoi d'ici, direction Bijoutier. Merci à tous de vos dons, de votre présence, de votre fidélité. Enfin, merci, vous êtes plus nombreux chaque soir, de plus en plus nombreux. Merci pour les bits, merci pour les donats, merci aux abonnés. Merci tout le monde. Continuez, vous êtes franchement vos... Vous me donnez vraiment la motivation de faire ce que je fais. C'est grâce à vous que je continue. C'est pour vous que je le fais. Merci, la famille. Merci à tous. Ah bah ça y est, je vais tomber. Merci, mon petit lunatique. Ah là là, PLS, le mec. Arrête, j'ai des frissons. Regardez, j'ai des frissons à force, là. Merci à tous. Merci à tous de ces dons qui vont me rapprocher au plus près du confort de mon arrière-train. C'est mon arrière-train qui vous... Monsieur, je comprends pas pourquoi. Remerciera. Merci, merci Lunatic, merci beaucoup. De Ting Tong, de Nem et tout. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes là pour convoi, les deux messieurs. Ça va très bien, c'est pas moi qui parle depuis avant. Messieurs. Je vous kiffe, les gars, je vous kiffe, les gars, merci à tous. Je vous kiffe. Je suis là pour le convoi, moi. Non, négatif, monsieur. Eh, pst. Ah, monsieur, vous voulez faire. Pst. Ah, bah non, là on a. Non, mais en fait, on a pas de travail pour vous, messieurs, désolé. Non, on n'a pas de travail, vous êtes tous virés. Allez, hop, 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 hop. Le convoi, c'est bon ou pas? Le convoi pour vous deux, les deux, oui, mais pas les deux derniers. Dédé, regarde. Pour moi, du coup, quand t'es venu tout à l'heure. Regarde ta tronche à lui. Ça fait presque 18 minutes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il a vraiment de sale gueule. Si, si, il me dit quelque chose. T'es sorti de prison quand, là? Il y a une semaine. Il y a une semaine, t'es sorti de prison? Je te l'ai déjà dit, une patate, ça ne se viole pas, ça s'épluche et ça se mange. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai plus envie de te parler. Vous voulez pas leur faire faire un test d'alcoolisme? Bonjour monsieur, vous voulez travailler, c'est ça? Ouais. Il y en a alors... qui me dit oui, l'autre qui me dit non. Alors... Ah, d'accord, c'est embêtant ça. Alors, pour travailler, il suffit de se sortir les doigts du derrière. Courir vite à une autre entreprise qui embauche. Ah, de traverser la rue là. Voilà, vous avez compris. Voilà. Excusez-moi, la police. Je sais que les bandits et les rebelles y recrutent. Je vais aller les intérimaires, quand vous aurez terminé avec la police, vous irez vous mettre là-bas pour prendre s'il vous plaît. Merci. Moi je vais t'amener. Ouais, tu vas voir, quand je vais te choper, je vais te foutre en taule. Tu vas voir si tu feras encore le malin, toi. Je te le dis. Hein. De toute façon, j'ai repéré ton nom, toi. Bon, allez, on y va. Tété, viens là. Oh putain, ils m'énervent tous. Comment vous faites? Le chapeau man, c'est une recrue. Merci, oh putain, merci encore Lunatic, putain, mais tu vas me foutre en PLS ce soir. Merci, c'est le festival des pluies, des dons. Merci à Lunatic, toujours le même, putain. Mais t'as craqué Lunatic ou quoi là? Ouais. T'as craqué. Merci, merci, merci. T'as vu nos recrues là qui manquent d'argent et qui viennent farmer ici? Ouais. C'est pas normal, il y a un problème des payes en général. Hein. On va au moins payer nos hommes. Hein. Même au général, messieurs, une jambe main sur la tête. Tout à l'heure, il y avait un canon et tout. Et avec ce ciel, c'est pas grave. Festival, merci Lunatic. Alors, je sais pas si tu fais des dons pour moi ou pour mes nénettes. Festival. Ah, oui, je vois ça, ouais. Monsieur? Ouais, bonjour, je voudrais bosser s'il vous plaît. Bah, mettez-vous là contre le mur. Ici, j'ai le cinquième là, c'est bon. Hein? C'est un peu spécial. C'est pas comme d'habitude. Hein. Là, c'est un convoi, monsieur, ça vous intéresse? Ouais, pas de soucis, c'est parti. Lunatic, rassure-moi, les dons, c'est pour moi ou c'est pour mes nénettes? C'est bon, j'ai un cinquième là. Non, je plaisante. N'hésitez pas, follow les gars, pour ceux qui n'ont pas encore follow la chaîne, venez nombreux dans la famille. Venez nombreux sur la famille, venez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est la radio, monsieur, c'est quoi? Je vais vous la donner après, monsieur. Arrête de me taper les poules!
Bah du coup l'autre je vais le verrer. Tu peux avoir 4 secondes. Bouge plus là, alors soit je te laisse te poser par terre et on s'en sort correctement, soit je te fouille et je te fous à poil. Et je te mets à poil. J'ai pas reçu, vous pouvez me mettre. T'as les mettre là dis donc. Allez, sur la tête. Allez-y hein. Comment on met les mains sur la tête, s'il vous plaît? Pourquoi je vais monsieur égoïste? Voilà, et après tu le bas, derrière, en avant. Derrière, en avant. Derrière, en avant. Allez, c'est parti. Elle est keuf, à poil, hein, aussi. Non, pas du tout. Et oh, déjà toi tu vas respecter, sinon tu vas avec ton copain. Voilà, il y a embarquement. D'accord, ils sont embarqués. Toi aussi tu me respectes. Agression, ça peut aller loin, c'est agression. Eh, Dublin, si tu veux pas que je te renvoie dans ta ville de naissance, tu ferais mieux te calmer, t'as compris? Il te donne la police en plus. Pas de place. Ma fille. Moi si je vous tape, écoute, dans les poils, ferme ta gueule. Merci. Répète. Ah non mais vraiment. Ah bah voilà monsieur, c'est d'accord, moi ça me dérange. J'ai dit si tu veux pas que je te renvoie à Dublin, tu ferais mieux de te mettre contre le mur là. Et de rester un peu plus respectueux. Irlande, allez. Oui, il y a que chez nous, moi ils sont chez nous, ils sont chez nous. Qu'est-ce que tu veux que je te respecte si tu respectes pas, fiston? T'as cru que j'étais ton pote ou quoi? T'as cru que j'étais ton pote ou pas? Non, je suis pas ton pote, tu vois, je porte un uniforme, donc t'as pas à me parler, bleuzeille, flic, keuf, etc. D'accord? Si tu veux pas être emmerdé, après tu vas pleurer si je vais te foutre en taule. Tu vas faire, ouais, mais les flics, j'y comprends pas, ils respectent pas. C'est toi qui respectes pas, mec. Donc soit tu fermes ton clapet, soit moi je te fais virer de l'entreprise et tu vas ramasser des pêches, t'as compris? Ouais. Voilà, merci, bonne journée. Au revoir. Alors, quoi vous avez entendu mon commandant? Qu'est-ce qu'il a dit? Occupe-toi des employés. Mais quoi? Monsieur, vous avez... Why? Allez, vous embarquez ça, on embarque ça dans la prison. Qui veut faire un tour avec lui? Personne? Moi. Moi, je vais. Allez, aller. Vous embarquez ça pour outrage. Allez, messieurs, la fille de... Je vais lui passer l'envie. Ah, ça y a des... Arrête de bouger là, arrête de bouger. Non mais attends, les jeunes, y a plus de respect con. L'autre il a cru qu'il était Douglas pour Stringfellow. Transmet. Je l'emmène où? Oh putain, mais qu'est-ce que tu nous fais croire mon petit lunatique là? Dédé énervé, ouais un peu. Ouais. Je l'emmène où? Tu me l'embarques, là. Embarque-moi le là. Tu peux venir avec vous? Ouais, tu veux. Non. Nos sirages, je vous laisse vous occuper de la rue. Appelez ces bons renforts. Il va faire un tour avec nous là. Bon, fiston, t'as qu'est-ce que t'as à dire là? C'est que quoi? Qu'est-ce que t'as à dire là? De quoi? Qu'est-ce que t'as à dire là? À rien. Bon. T'as fait combien de temps que t'es arrivé sur l'île en bateau toi? Quoi? Ça fait combien de temps que t'es arrivé sur l'île en bateau? Bah y'a pas longtemps. Ouais, bah c'est peut-être pour ça en fait. Donc je vais t'expliquer un truc mon petit gars, si tu veux faire ta vie sur cette île avant que je te vire un coup de pied dans le derrière, à tel point que tu vas traverser l'océan sans toucher la mer, écoute-moi bien, si tu veux être respecté, tu respectes. Si tu veux pas respecter, on te respectera pas. Donc si maintenant tu veux commencer ton séjour et ta nouvelle vie sur l'île en allant en tôle à vie, tu me le dis, moi y'a pas de problème. Quand tu sais pas à qui t'as affaire, manque de peau, c'est que t'es tombé sur le plus con de l'île, d'accord? Le flic le plus pourri, c'est moi, d'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener, je vais t'ouvrir le bide, je vais te pisser dessus et je vais faire chier tes dents. Et après, je vais te donner au poisson. T'as compris? Bah justement. Bah moi, t'as aucune perte pour moi, t'as aucune valeur. Donc soit tu respectes et tu t'apprends à vivre, soit tu respectes pas et tu vas faire un tour dans l'océan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Voilà, parce que moi les rebelles, c'est... je leur pisse dessus aussi. Donc si tu veux pas que je te pisse autant qu'eux, y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, tu vas sortir de la voiture, tu vas te mettre à genoux et j'attends tes excuses. Quoi oh là là. Allez, à genoux et présente-moi tes excuses. Je fais quoi? Tu te démerdes. Quoi? Tu te démerdes. Hein tu... okay. Allez, c'est parti. On t'écoute? Allez, je t'écoute. De quoi? Je me dis quoi? Y'a rien à dire, monsieur. Mais tu... Je m'excuse. Grand officier de la police. Police. Mon comporte. Tu répètes, sinon, coup de pied dans le derrière. Mais vous êtes fou, monsieur. Mais non, je suis pas fou. Non. Allez! Bienvenue, Lulu. Merci, Lunatique, pour tous tes dons. Merci à toi. Doucement, sous les dons, garde-en pour toi. Oh là là, oh là là.
Allez, Philippe c'est Dublin. Ça a l'air parti, le petit rigolo. Hein. Ouais. Allez, c'est bien. Tu t'es excusé. C'est la moindre des choses ici. Comment vous avez mon nom, monsieur? T'inquiète pas. Tu comprendras plus tard. Allez, on s'en va. Ah, ah merde. Allez, va voir tes copains. Sinon. Oui, c'est des menaces. Ouais, t'en veux d'autres, des menaces? T'en veux d'autres, des menaces? Alors, si tu veux. T'en veux d'autres, des menaces? Non. Bon, alors, va te changer de pantalon. Moi aussi, je vais faire des menaces. Va te changer de pantalon. Tu t'es pissé dessus. À la mort. Il y a combien de camions? Il y a combien de camions? Ah, ils sont on a vrai, actuellement là. Un LKF ouais, qui vient de décoller de la Oil en partant. Pas alors, je m'occupe de tout ça. Merci Lunatique de tous tes dons. Merci beaucoup. Doucement sur les dons quand même, les gars. C'est pas obligatoire. Ne l'oubliez pas, les dons ne sont pas obligatoires. J'ai vraiment mis ça pour mettre ça, mais c'est pas du tout obligatoire. Je ne fais pas ça pour ça. Jamais de la vie. C'est ça, mon petit Lunatique. Plus que 110 euros pour avoir la Sage Gamer et pouvoir mettre. Il a qui a compris les bails. Simplement des packs qui étaient à part. De quoi? Qui sont partis en LK. Il a des bails quand même. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Quand ils font que des trucs de 1€ à chaque fois pour faire durer le plaisir, on a compris. En général, vous voulez que je vous relise une petite blague? On s'y ira, merci. Bien sûr, hein. Certain. C'est pas fameux l'aglo du truc? L'aglo. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous êtes sûr que vous en avez pas une? Je suis sûr qu'elle va être bonne celle-là. Bon, allez. Je sais, Lunatique, ça me fait. Je te connais bien maintenant, ça fait quelques années. Enfin, non, mais quelques mois, pas de même, même plus d'un an qu'on se connaît sur le jeu. Merci beaucoup de tous vos dons. Merci, Lunatique, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Franchement, je dis que c'est pas obligatoire parce que c'est pas obligatoire déjà. Mais ça me fait plaisir de vous m'aider, vous aider à l'évolution du stream. Il n'y avait pas grand chose à gâcher à l'origine. Parce que le matériel coûte très cher, effectivement. Merci à tous, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, vous êtes prêts? Non. C'est deux grandes sables qui arrivent à la plage. Putain, c'est blindé aujourd'hui. Oh la vache. J'ai des boobs de partout, les gars. No! J'ai des boobs de partout. Non, mais arrête-toi. Arrêtez, j'ai des boobs de partout, là, je peux même plus jouer. Je vais persister, mon général. Merci, merci encore. Festival. Festival, quoi. Je te conseille pas. Oh la vache, putain. Parce que je vois que c'est déjà un gros émotionnel pour vous ce soir. Et les gars, j'ai des boobs dans mes lunettes, là, je vois rien. Moi aussi, commandant, je les ai. Les goûts de glace, c'est pas pour mater du porn en patrouille. Hein. Comment? Pardon. Ah. Moi aussi, je vois les boobs. C'est beau. J'ai pas le droit. Magnifique. Bah non, je vais pas changer. Bon, les gars, on est. Oui. Vous pouvez me dire la couleur de L4. T'as vu un peu? L4. C'est la mienne de voiture. Ouais, mais j'ai pas les clés. Elle est parfaite, votre voiture, en général. Vous savez, mon général, c'est bientôt mon anniversaire. Pourquoi, Scartfield, tu veux que je change d'image de don? Il n'y a pas de prime pour les anniversaires. Il n'y a pas de prime. On est prêt, monsieur, on va y aller. Bon, j'ai engueulé vos intérimaires, Big Boss. Ah, d'accord. C'est quoi? Bah, je vous remercie, en tout cas. Désolé hein, de. Bah, y a, c'est pas à vous de vous excuser. Bah, non, mais il s'est mis à jouer, il s'est excusé, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, on y va alors, merci beaucoup, messieurs. Bisous, mon loulou. Ah bah moi général on passe devant, on va se placer au bijoutier. Ouais, parce que moi tous les patrons sont mes loulous en fait. Parce que vous savez pas encore mais ils travaillent tous pour moi. Avec vous. Ah, vous passez en premier si vous voulez, ouais. C'est reçu. Ça fait spam. Mais n'importe quoi, ça fait spam. Allez mon Jackie. T'es frustré, t'as pas l'habitude d'en voir. T'as vu qui c'est qui dit ça c'est ton Nemesis. Scartfield, c'est parce que t'en as jamais vu en vrai que tu dis ça? Je plaisante, bien sûr. Je me permettrai pas de juger. On pouvait rien faire. Pas tes demandes aussi. En fait, merde, vous m'entendez là? Remonte Dédé. Un message pour dire bah voilà. Charlie, pour tous, on a le L4 Rampage qui nous spot au-dessus de la BP.
Ok, bien reçu, bah préparez. Bon, c'est un raptor. Bon, deuxième mars, on a Echo, Alpha, Bravo devant et Charlie. Festival lunatique. Putain, mais je sais plus quoi te dire, moi. Le sud, Alpha. Je sais plus quoi te dire, mon petit lunatique. Au sud, Doc, Delta. Merci, quoi. Merci beaucoup, merci à toi. Delta, Doc, c'est pareil. Merci beaucoup. C'est pour ça. Festival, plus de dons, c'est. Voilà, merci. Alpha, bravo, Charlie. Je vous dirai jamais assez merci. Ah, il y en a, il est chaud là ce soir. Hein. Ah, ouais. Lunatique, il est chaud. Ah, il veut voir des bonnes perles. Lunatique, il a compris que ça sert à rien de donner une seule somme, il préfère donner plusieurs sommes en fait. Fait plaisir à tout le monde. On les voit, je vous reprends. Mon commandant, ça vous dérange pas, et mon général, si je me marie avec un homme. Mais tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Tu iras dans la boîte à cul, c'est pas grave. Par contre, tu seras viré. Hein. Et d'ailleurs, les gars, si vous vous mariez, j'aurai besoin de deux danseurs dans la boîte à cul. Alors vous venez habiller en... Il n'y a pas de problème. Vous venez habiller en fluo. Un en fluo jaune et l'autre en fluo rose. On va y aller. On n'a pas vu l'ombre encore. Hein. On va y aller. T'inquiète pas. Que toi qui t'en prends, moi je peux danser avec toi si tu veux, mec. Arrête de me caresser l'épaule, ça m'excite. Je te caresse pas, ça c'est tes rêves, ou alors c'est des visiteurs, mais c'est pas. Mike moi. Quand tu parles derrière mon oreille, c'est comme ça, ça. Mike. Putain. Maintenant tu me tues, toi. Toi tu vas faire avec lui. Qui c'est qui patrouille avec lui? Bah, vous m'avez dit de vous tutoyer tout à l'heure. Bah, oui, mon petit Jolt, je sais que c'est toi. Bah, oui, mon petit Jolt, bon, allez, c'est parti. Allez, vous êtes bande de ta fiole. On a du dent. Ah, une pénique. Ah, mais ça, c'est le fils de Odor, ça. Bah oui. C'est mon frère. Putain, c'est Kiki. Putain, heureusement qu'on a pas pris Kali. Ouais, il manquait plus que la mère. Oh là là. Raptor. La famille Bellic, oh là là. Raptor, merci. Juste à votre droite là, en face de la BP. Je suis abasourdi par tes dons lunatiques. De la Tommy base. Abasourdi. C'était le dernier véhicule. Hein. Ça fait pas ce que tu viens de dire là. Voilà, papy base ou base armée, je sais pas comment on appelle ça moi. Bon, on me disait papy base. Base armée, c'est très bien. Tu viens quoi avec papy base, t'es viré. C'est reçu. Papy base. Papy base. Non, viré. C'est Douglas qui a dit ça, non? Bon, Endogo, tu me donneras tes armes, s'il te plaît. Ah bah non, elles ont toutes été détruites. Allez, plus que donnant 9. De Charlie, on a un deuxième L4 qui est très haut. 99, c'est quoi ça, 99? Ah putain, j'avais pas compris. Bah, je comprends pas le belge. J'apprends avec Colin le belge, depuis que je joue à R6 avec lui. Mais... 99. 99. 90 moins 9. Oui, comment? Si c'est dit 70, c'est 70. Voilà. C'est quoi, et 70? Si, et s'il dit 80? 80. Ouais, ça se dit pas vraiment, mais bon. Mais c'est 39. Parce que les 6 aussi sont pas mal. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que hier soir j'ai joué avec Colin sur R6 et à un moment donné il me dit bah va donc en haut là. J'avais pas compris, je suis allé en bas. Compliqué de jouer avec vous les gars. Je déconne. Alors Faya, c'est assez faux que tu... Qu'est-ce qui branle le CPA là? I'm sexy and I know it. Putain. 98. 98, ouais. 98, ouais. Echo et Alpha, vous savez pas que vous allez un peu vite là pour le convoi? En fait, Lunatic il est en train de me spam le live en fait. C'est énorme, merci. C'est possible. Merci beaucoup, Lunatic. Merde, putain, j'ai pas crevé. Ah, du tourner à gauche, mais bon. Bon, si, parlons bien. Est-ce que vous trouvez que le bot spam beaucoup moins le chat? Est-ce que ça vous va comme ça? Ou est-ce que vous trouvez que ça spam encore un petit peu? Écoute, vous confirmez là, le Hummingbird c'est bien rampage dessus. Où ça? Juste à notre gauche. Il
par aéroport là, il est en stat. Afi, 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 Rampage. Vous avez deux hélicos dans le ciel. Appelez toutes les unités en longue qui se transportent sur place pour le convoi. Ça va, à mon avis, ça va taper l'ADC. Véhicule Rampage sur les collines à droite de la position de... Au-dessus. Ok, ça va nous taper, les gars. Donc, je veux toutes les unités, c'est simple. Quelqu'un pourrait transmettre en longue, s'il vous plaît, j'arrive pas à accéder à ma longueur. Ah, il y a un mec qui nous dit que ça longue. C'est affreux. Transmettez. On a demandé de report sur le BGC, il y a possiblement la Rampage qui va attaquer un convoi de la LCO. Merci pour Cobra Lee, pour tous les Cobras, passage canal 1, on se dirige vers Bijoutier. Et vite. Signal, passage canal 1. Oh, qui c'est qui fait ça? Qu'est-ce qui se passe là? Tous les Cobras sont bien ici. Affi. Info balise. Info balise, Sierra. Allez les gars, putain ça pue. Sierra a besoin d'aide. Nous derrière, nous derrière. Je fais plein sinon je vais passer à l'essence. J'arrive, je te récupère deux docks. Bon, ils sont en train de nous prendre les Sierra en otage là pour avoir moins de monde sous le bijoutier. Viper, vous m'avez reçu? Bah, on a été takedown de Alpha. Négatif. Je suis dispo à la BA si tu veux venir me chercher pour aller aider les collègues. On va pas attaquer là, c'est trop tard. Ouais. Pour pas attaquer qui? On sait sur pas les attaquer, c'est parce qu'il y a des collègues. De Alpha, on a été takedown, on reste pas là. Aussi. En fait, sur eux, on y va. Pas idiot sur nous. Cobra foncé, puis c'est bien aussi là. Je trouve que mes cheveux ont gonflé ce soir, pourtant je suis pas foncé. Merci, Motinatic. C'est vrai que j'arrête pas de bouger là depuis quelques jours parce que c'est vrai que ça fait mal au cul hein, quand même. Bah, Sierra, c'est passé canal 1, s'il vous plaît. Charlie pour l'ensemble. Vous voulez pas nous mettre en équipement les gars? C'est bon, c'est à demi. Les montes les DD. Ouais, je vais essayer. Ouais. Ah bah, on se met du allez, Viper, on bouge la direction bijoutier. Sherman pour Cobra, venez sur notre position, tiens. Vous confirmez, on annule l'alerte? La fille vient de dire la longue, on y va. Ok à tous, vous allez me prendre. Ok, vous allez me prendre les tours armées en position. Derrière les haies en position. Et sur le vendeur en position. Ouais, pendant le fight ça va être chaud mon petit lunatique. Parce que là j'ai des boobs partout là. En train de me déconcentrer. Place ici. Rapproche-nous, mets-nous à côté sur la route, on met contre la route là. On bloque la route. Là, si tu veux. Ok, c'est bon, c'est parti. Avance un peu encore. Avance avec la voiture, mais là, on traverse. Messieurs, messieurs, dépêchez-vous s'il vous plaît. Ah, on beaucoup de... Ouais, accélérer un petit peu, beaucoup de rebelles. Dès que vous avez le pognon, vous montez dans la R6. Mais si on donne tout pour être en contact avec nous. Affirmatif, on avait vu un véhicule mort, on l'a suivi. Là, là, les gars, vous mettez pas trop. Vous mettez pas trop. Il y en a qui sont trop près là, les deux civils là. Sac noir. Ok, vous avez tous un visu 360. Afi, Cobra
dans une des tours en haut là. Merci Marc, merci beaucoup Marc. Moi j'ai fini personnellement. Et quoi en position? Marc il est en train de me foutre en PLS quoi. Je suis en train de vendre là, t'inquiète, on va s'en sortir. Faut le calmer mon commandant. Bah ouais mais bon moi je vois des boobs partout là, moi ça me ouf. Allez, rapide hein le Zygoto. Bah, je vous l'ai dit que j'étais un ancien de la LCO là. Ouais j'ai vu ça dans votre signature. Quoi? Oh là là, Springfield TV, fais un don d'un don, merci mon loulou. Énorme ce que tu fais. Ouais mais y'a mec. Y'a mec devant qui. Comment il fait? Comment tu fais ça? Ah c'est toujours le même. Ouais, c'est Marc. L'entreprise a une idée avant. Je savais même pas que tu pouvais changer de nom. C'est vrai qu'il y a qu'un mec. Ah ouais tiens. Oh là là. Il est civil là. Allez monsieur. Plus que 95. C'est encore le monsieur là. Son, le camion, ouais, celui-là. Et après, ouais, c'est bon. On aurait trouvé pire que moi ou quoi? Et chez les camions. Je précise quand même pour les donations, hein, c'est pas le prix du neuf que je mets. Hein. C'est 50% du siège que je mets à chaque fois. Tête, s'il vous plaît. En fait, j'utilise 50% de gros dons. Tout transféré, hein. Sauf pour le stream deck où j'ai pris la totalité de vos dons pour m'acheter le stream deck. Et là, pour tout ce qui est matériel, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire. Parce que je trouve pas normal que ce soit les donateurs qui donnent. Donc j'ai décidé de faire du 50-50. Cobra Elite pour Capino et Douglas. Marco, donc là, dans les donations, vous avez le siège gaming, certes, mais vous avez aussi l'écran vert Elgato qui ira avec le siège gaming au niveau de la tête. Est-ce que j'aime montrer mon pénis à tout le monde? Pas de braquer, tu me donnes. Moi avec toi ça devrait être bon. C'est bon? Bon nickel, on peut y aller. Rejoignez-moi à la thème de l'aéroport messieurs. On y va messieurs, hop. Monte vite, c'est cette voiture. Merci. Là je monte à l'arrière. Je vous ai pris votre place devant. C'est déjà fait Scarfield. J'ai mis 1, 2, 5, 10, 15, 20 et 25. Et illimité. Il faudra que je revienne chercher mon camion là. Ouais. Tu reviens d'ici? Ah ouais, parce que la sécu là, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Ah oui, monsieur, si vous laissez les véhicules sur le point de vente, on ira porter plainte. » Tu vas pas à l'aéroport, hein. Tu vas à une autre ATM. Où tu veux aller? Là, Gravia. À tous, on a la banque avec nous, on va le déposer Gravia reçu. C'est le sud, reçu. Est-ce qu'il y a le truc à Gravia ou pas? Ouais, vous voulez que je vous mette un... Non, je pouvais pas vous mettre un point. J'aurais mis. Il est sur la route menant vers Atira, il est sur la droite. À gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, la petite prime du personnel de sécurité, vous l'avez, hein, monsieur Jean-Lara, ou pas? Ah bah, je vous paye toutes les semaines, hein, il faut demander ça à... Par contre, quand ça, j'oublierai l'arme dans le sac à dos et c'est tout bizarre, ça. Mais là, oh, ils disent pas pareil. Eux, par contre, ils ont pas compte lâché un petit billet. Vous savez, vous savez, le sac à dos avec le pistolet, je peux l'oublier. Je peux l'oublier celui-là. Ouais, la Spar 16S qu'on a retrouvé dans votre camion. Ouais, bon pareil. Hein, je crois non, mais attendez, c'est quoi ça? Non, mais moi, je vous dis ça, moi je dis rien. Moi j'ai lancé maintenant le sujet. Je vous laisse clôturer la discussion. Il est où la TM Gravia? Gauche à gauche, à gauche. Je pense la route. Prends la prochaine. Non, non, tout droit, France, France, France. C'est ce que je veux dire, monsieur Farah. Ah, oui, j'ai compris. Après, enfin, moi je dis. Le pistolet, il m'a semblé. Hein. Après, c'est. Là, tu vois la maison double position. Étage. Non, c'est quelqu'un qui l'avait volontairement déposé ici. Non, non, non. Écoutez, je suis un homme de loi, un homme de parole. Ah oui, bien sûr, je m'en doute pas. Ah, votre camion est à fourrière, de toute façon. Ah, bah merci. Ah, nickel. Voilà, monsieur Ferrara. Bon, à bientôt. Disons le 25 du mois, quoi. On se donne rendez-vous le 25 du mois, monsieur Ferrara. Un tarot au-dessus de Tira. Ouais, oui. Ouais.
c'est que c'est bon. Ce truc. Bon allez, c'est parti. Yes. Vous ramenez? Bah bien sûr, on vous ramène. Pour 20 millions, on vous ramène. Ah, ça commence à faire cher là, 20 millions. Hein. Qu'est-ce que c'est 20 millions pour un patron d'entreprise? Je ne suis pas patron, je suis responsable d'équipe. Bah c'est pareil. Qu'est-ce que c'est 20 millions? Vous savez combien de temps moi je dois travailler pour 20 millions, monsieur Ferrara? Je dois travailler des années. Des années. Ça fait 4 ans que je suis ici dans ma fonction. Ça fait 4 ans que j'ai même pas atteint les 10 millions. Alors imaginez. Je dépose où, mon général? Info sur Action Beauty. Faudrait que j'aille à l'aéroport, c'est possible. C'est bon, argent sécurisé. Ouais, si, je vais déposer un. Ah, y'a pas de problème, hein. Y'a pas quoi, une demi-heure? Ah, bah je vais y aller à pied au pire. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tout qui a bougé. Je sors, monsieur. Allez, tu feras une petite vidéo quand tu auras reçu ton siège du coup. Bah ouais, bah comme j'ai fait avec le stream deck, en fait je ferai une vidéo directe. Là je suis en train de reprendre la vidéo que j'ai fait, le live que j'ai fait sur le setup. Et bah oui, à chaque fois de toute façon que j'achète un truc les gars grâce aux dons. C'est pour ça que moi je mets à quoi sert les dons déjà. Comme ça vous savez, il n'y a pas de secret. Et après systématiquement je fais le live et la vidéo qui va avec la présentation de ce que j'ai acheté. Ça va de soi, mon petit Jules. Ok, d'accord. Et les FDS, je pense que. Bonne journée, au revoir. Sinon, les 75 personnes à un moment, c'est bon. Sinon, les 75 personnes à tes save moment, c'est bon. Ah, bah non, toujours pas, non. Là, on est à 10, les gars. On est à 10 de moyenne, il en faut 75 de moyenne pour le partenariat et pour enfin pouvoir vous faire encore plus de surprise. En fait, moi j'ai rempli mes conditions Twitch, affiliate, j'ai rempli toutes mes conditions Twitch, moi, personnellement, de ce que moi je pouvais faire, tout est fait. Là maintenant, c'est la communauté, c'est les gens, c'est que ça qui gère maintenant, qui décide, qui devient partenaire Twitch et streamer officiel Twitch. Il n'y a que vous qui faites ça, moi je ne peux plus rien faire, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ouais. Ouais. Dites-moi si mon cousin va travailler à la Oil le matin très tôt quand il n'y a personne. C'est possible. Ok. Pas de soucis. Merci. De rien. Oula, ouais, il y a que vous en fait qui peuvent maintenant m'orienter vers vers cette voie là en fait. Moi je ne peux plus en faire. Voilà, mais je vous montrerai ça en live. Il y a rien à cacher. De toute façon, je vous montrerai ça. C'est bon, papa. À la présentation du siège, je vous montrerai l'affiliate et le partenaire, les conditions à remplir. Je vous ferai ça tout à l'heure. Ah bah tiens, je vous ferai ça tout à l'heure. Tiens, après ALF, je vous ferai un petit live vite fait sur les conditions de Twitch. Comme ça, il n'y a pas de secret. Comme ça, vous voyez. Ok, on fait comme ça. Achète de bot. Ouais, c'est ça en fait. Je vais te tuer. Je vais te tuer. J'ai personne ici. Salut. Bonjour papa. Message, je sais pas. Lui, c'est un papa, lui. Qui? C'est papa. Hein. Moi? C'est papa des pères. Tu parles de moi? Vous avez combien de femmes? Combien de femmes j'ai? J'en ai qu'une, une seule. Mais je l'ai mis enceinte beaucoup de fois. Je vous entends dire. Ouais, quand vous êtes au téléphone à la BK, tout ça. Et puis là, vous dites que vous avez fait l'amour avec la dame de la sécurité civile. C'est pas une femme, c'est un homme. Ah. Elle compte pas, elle. Elle compte pas. Au Dédé. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, toi? Ouais, ça va. Ouvre la fenêtre là. Je viens d'avoir une petite discussion avec monsieur McKenzie là quand j'étais avec. Qu'est-ce que tu fais? C'est... Ça t'a manqué non? Mais non. Oh là là. Quoi merde? Ah pardon. Pas en public. D'accord. Ouais, vas-y. Non, j'ai eu une petite conversation avec monsieur McKenzie.
Il a pas l'air de vouloir de la police sur son territoire, par contre, Siran, il a l'air de nous apprécier. Salut Momo. Je sais pas pourquoi, mais il nous a bien aimé, il nous a juste dit de sortir, il aurait pu se braquer sa fois, mais il l'a pas fait. Bah, on a fait... Je pense qu'il commence à comprendre qu'est-ce que j'attends de lui, en fait. Bah oui. Tout à l'heure, il est parti vexé en disant bah je vais attendre votre sommation pour vous engager, mais je suis plus intelligent, je l'ai pas faite. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prouver que en faisant un pas, on avancera et sans faire de pas, bah, on n'avancera pas. Donc là, en fait, il m'a rendu l'appareil indirectement. C'est ça qui est bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Faut être intelligent. Parce que si tu négocies et tu fermes toutes tes portes, bah forcément ça va pas le faire. Bon allez, bisous. T'avais un treillis et un truc comme ça. C'est bon Viper. 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 Allez, on fonce les gars. On arrive Dédé. J'ai entendu faire tutut, je me suis dit où le attends, je monte dans une autre voiture en attendant. Hop. Allez, mon commandant. Oh là. Oh là là. Fi. Oh, oh là là. Ok, de Charlie ira sauver CSP. Viens la couleur du paper. On essaie de faire. Ouais, tu le prends en compte comment ce genre d'action sympa des rebelles dans les négociations. Effectivement. Ouais, on le garde, mon général. Non, on le garde. Toi, alors, en vrai, tu le prends en compte comment ce genre d'action sympa des rebelles dans les négociations suivantes. Et ben là, moi j'ai fait. En fait, faut comprendre la négociation, c'est compliqué à comprendre. Négociation, c'est deux camps. Si je me suis fait engueuler par un sécurité parce que. Ils sont obtus sur leurs idées. Si toi, tu restes sur ta position, ça va pas en fait, parce que tu rentres en conflit. Par contre, si chacun fait un pas en arrière et revient en avant, d'accord? Et ben en fait, quand tu te croises, moi j'ai pas lancé l'action de tout à l'heure, j'ai pas lancé l'assaut, pourquoi? Mais parce que je vais lui montrer que tu me donnes, je te donne, tu me donnes pas, je te donne pas. Donc là, il a pas pris Sierra, donc moi j'ai pas lancé la gunfight, là on est de nouveau sur le même pied d'égalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là je vais le prendre en considération pour la prochaine négociation. Important. Je veux dire, écoute, Mackenzie, j'ai fait un pas vers toi, t'as fait un pas vers moi, donc tu vois que ça peut. Ça peut se régler en fait. Donc trouvons tout de suite un point en commun et ça se passera bien. Et voilà. J'ai bien compris qu'il veut pas être désarmé, mais c'est pas possible. Par contre, si comme là tout à l'heure il balance la négoce mais il continue à faire vendre ses clients, bah il se fout de moi en fait. Donc, et en plus il ferme la négo, donc forcément, bah moi je ferme la négo. On va te prendre en compte. On arrive sur position. En gros, comment je fonctionne? Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. De Charlie, le René Zampa vient de me répondre. Merci, merci à vous, c'est bon. Premier tour. Nike, parce que si la coque est sur la braquette, ça veut dire qu'il y a potentiellement des joueurs dangereux. Bien sûr qu'il va au tribunal. Ça va tomber sur la rampage. Hein. Ouais, bah c'est pas grave. On peut y aller. D'ailleurs, ils y sont, hein. Regarde, il y a le L4 là. À droite. Logiquement, c'est un civil qui a un chapeau noir sur la tête. Mais Dumas vient de vous dire, ouais. Les gars, qu'il avait eu le civil. Apparemment, c'est bon, c'est fini. Ah, j'ai trouvé. Attention. Attention, Earth. Allez, avance. Passe, t'arrêtes pas. Pourquoi? Affirmatif. Arrête pas, je t'ai vu. Rampage aussi derrière nous, derrière Charlie, fais gaffe, Doc. Ouais, attention, Earth, ça nous demande de nous arrêter. Non, vous arrêtez pas, les gars, vous contournez. Allez, on communique plus, on va tous les unités sur nous là. Doc, bien. Viper pour tous, besoin de renforcement de la position de Viper au-dessus de Pyrgo, s'il vous plaît. Multiple packs. J'entends pas trop des autres là. Je vais s'arrêter. Bon, ils ont arrêté de me suivre. Attention, j'ai pas la suite là. Ils sont tous. On a un L4, c'est pris sur Redfield. Ah, fille, faudrait pas le laisser décoller lui. Il est en train de le réparer. Ou
de la rifle. Il y a un véhicule léger aussi sur sa position. Essayez de redescendre sur une position, le véhicule gris là. Si vous pouvez circuler et vous reculer de la zone, faites-le. Plusieurs véhicules sur Doc. De Cobra Lead pour Viper Lead, on arrive sur la position. Multiple PAX, au moins 10 véhicules. Reculez de la zone, je viens de vous dire. Rampez. Retournez vers la douane. Arrêtez de leur tourner autour. Arrêtez de leur tourner autour, laissez-les prendre la fuite là, ils sont bons là. Laissez-les prendre la fuite. Qui retourne côté douane. Hein. Je vais demander quelque chose, on y va là, on se dépêche. Attends, il y a eu un message téléphonique. Je suis là pour parler aux policiers. Cobra 2, Cobra 3, qui s'arrête, s'arrête, hein, je suis là pour parler aux policiers de la frontière. Qu'on a les personnes qui essayent de nous parler. Allez. Je m'en branle, je t'ai demandé quelque chose. T'es en blindé, tu vas rien parler du tout, là, bouge-toi de là. On a envie, bah, si vous voulez parler, ils viennent de parler ici. Hein. Redfield, je vais lui donner combien de fois cet ordre? J'étais avec le civil aussi. Bah, le civil il bouge. Là, je l'ai avec moi. Et bah, tu bouges du coup. Sur les 10 véhicules, ils sont peut-être 8 seuls par véhicule. Ils sont plus que 8. Étonnant. On se regroupe, on se réorganise et après on décide de ce qu'on fait. Est-ce que t'es en mouvement? Ah, fille. Passez canal 1 d'ailleurs. Pour l'instant, on se regroupe. Ah, fille. Ouais, bah laisse-le, c'est pas grave. Cobra Lead pour Cobra 1 et Cobra 2. Transmettez Cobra Lead. Bien, faites attention quand vous nous rejoindre, vous aurez du coup la rampage entre vous et nous. Hein. Vous faites pas choper par une herse. C'est bien. Dédé ? Ouais. Dédé, je sais que t'es là. Sur la gauche, avec les murettes. Ah mais... Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'ils veulent jouer la force. On va avoir la position du négociateur dans 10 secondes. Lopez, t'arrives à reculer, s'il te plaît? Regarde, tous mes gars, ils sont loin. On va pas commencer. On reste à distance, contact avec le négo. Tu peux me faire confiance, je suis pas là pour... Donc, s'il te plaît. Yo yo! Ça va ou bien? Salut fiston. Bonjour monsieur. Ça va ou bien? Bonjour monsieur. Début de la négociation une... Ah, allons enfants de la patrie. Ouais, je t'entends. Vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Ouais, allô? Ah, c'est bon. Ah, voilà. Excuse-moi, j'avais un petit problème de radio parce que j'avais ma femme au téléphone. Ouais, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne nous arrive pas grand-chose. On aimerait juste savoir ce que vous êtes en train de faire sur notre territoire. Mais en fait, c'est ce que vous avez pas con. Voilà, je suis en train de faire mon boulot en fait, tu vois ce que je veux dire? Je comprends, et ton boulot là maintenant il consiste en quoi à la seconde? Là, mon boulot c'est consister à ce que ces lieux soient sécurisés, tu vois ce que je veux dire? Ah bah je te confirme qu'ils sont sécurisés. Ouais, t'es. Écoute, et oh fiston! Je suis en train de parler avec lui, je suis pas en train de parler avec toi, d'accord? Donc soit. Voilà, bon bah tu recules s'il te plaît et tu me laisses parler avec ton boss, d'accord? Vas-y. Voilà, merci, parce que un négociateur, si ça commence à négocier avec 50 personnes, avec 50 versions et les messages téléphoniques en plus, c'est bon. Vas-y, hop. Et oh, tu vas te détendre, écoute, tu viendras me voir quand tu serais plus sérieux. À plus tard. Bon, t'as négocié mal, ça commence à agresser.
Non, c'est pas que je veux pas discuter. C'est pas que je veux pas discuter, mon gars. Ton mec, il me parle mal, je discute pas quand quelqu'un me parle mal. Voilà, ok. Je vais boire mon café et je reviens. Voilà, voilà, vas-y, vas-y maintenant. Voilà, ton mec, il faut... Hey, il faut que tu tiennes des gars un peu, hein. Parce que les gars, ils sont... c'est des petits rigolos. Voilà. L'équipe a la bande à Lopez là-bas, là. Ouais. Ah bah écoute, t'as tes gars avec toi, j'ai les gars avec moi, c'est normal, non? Ma sécurité. Ouais, je vois ton hélicoptère au-dessus, je vois tes deux hélicoptères là-bas, je vois tes mecs là-bas, et je vois tes mecs là-bas, et je vois en plus encore des mecs là-bas. Donc oui, effectivement, mes gars sont là pour ma protection, c'est normal. Bon, qu'est-ce que tu veux en fait? Moi je veux rien, c'est vous qui venez ici, ce que je vais vous dire. Bah c'est normal, on est chez, c'est un territoire gouvernemental, fiston. Tranquillement de retourner à l'ouest. Qu'est-ce que tu veux? On vous conseille tranquillement de retourner à l'ouest. Bah, je sais, t'as pas compris que en fait compte, on est une force gouvernementale, vous vous êtes un groupe rebelle en fait. On la reconnaît pas tous, d'accord. Eh ben tu la reconnais pas, c'est ton problème, c'est votre problème. C'est quoi ton nom déjà, fiston? Allez, commençons bien quand même. Attends, reste là. Ah, négatif. Allô, tu me reçois, lead. Ok, bon, j'ai affaire au monsieur, je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire ici. Il dit qu'il fait son travail pour représenter le gouvernement sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on fait en temps d'ordre pour la négociation? Ok, 63S Impact, Chrysler Impact. Tu dis à tes copains d'arrêter d'encercler nos véhicules là? Bah, tu dis pareil au tien et je fais pareil au mien. Ils les encerclent pas. Bah, c'est bon, les gars, et vous arrêtez d'encercler tout le monde, vous restez en position tranquillement. On se la joue professionnel, c'est notre boulot. Point. Ah, oui, vas-y. Ça. Bon, je vous confirme, les gars, c'est bien transmettre que de partir dans l'est là, alors qu'il dit de quoi? Je t'entends mal. Ignorez-les. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, on les ignore, en fait, c'est tes gars qui cherchent les miens, en fait. Non, non. Détendez-vous, les gars, vous répondez pas à l'agressivité. Toi, tes gars sont un peu énervés, là. Lead, alors du coup, on attend d'ordre pour la négociation. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur... On les ramène vers où? Non, mais vous m'emmenez nulle part, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Moi, je suis dans l'Est, il y a des entreprises, il y a des civils qui viennent travailler. Là, moi, je suis... Faire, c'est faire leur travail dans l'Est, Lead. Voilà, c'est tout. Et ils veulent faire... Limite ça, ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Mais bon, je vais leur demander si... Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Dites-moi, monsieur, est-ce que c'était civil? Mais qu'est-ce que je... est-ce que je vous ai engagé tout à l'heure? J'ai dit, est-ce qu'on vous a pris à partie tout à l'heure? Oui ou non? Bien sûr que non. Bon, donc tu as ta réponse. Et on peut pas vous laisser tout le temps... Mais t'as pas à me laisser en fait. Moi je fais mon boulot, mec. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est... Non, mais t'as pas, c'est pas un boulot toi. Toi t'es, tu te rebelles en fait contre l'État, toi. Mais qu'est-ce que t'en sais que tu gagnes 10 fois plus que moi, fiston? Mais arrête de me parler de pognon là, mec. Qu'est-ce que tu me parles? Et toi, toi tu vas faire demi-tour, tu vas retrouver là-bas la Marguerite. Hein, parce que si j'ai envie de recruter des cochons, je t'appellerai, ok? Ok, y'a pas de soucis. Du coup. Lead, tu vas parler avec moi pour l'instant, t'as pas le choix. Non, ouais, bah j'ai pas envie de parler avec toi. Allez, ciao. Voilà, il se passe rien. Mais bon, mon café, on reviendra tout à l'heure. Alors ils veulent contrôler l'Est, ils veulent nous faire bouger à l'Ouest. Ils pensent que c'est visé par rapport à eux, en fait. L'autre, il parle comme une merde, là, je l'envoie chier. Et qu'à partir à Sofia, là, y a pas d'entreprise, on se marre. Voilà. C'est quoi un négo là? C'est pas un négo là. Regarde ce qu'il est en train de toucher les affaires là. Eh hey, fiston, tu sais ce que je te propose? Tu sais ce que je te propose? Je m'en fous, je viens pas là pour vous, moi je m'en fous de vous. Vous êtes des gentils. Encore, toi, ton petit patron, il a laissé notre unité civile là-bas, tu vois ce que je veux dire? Donc ça prouve que tout à l'heure, par rapport à la négociation de tout à l'heure, il a fait un pas vers moi. Et ça, j'aime bien. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Et ça, tu pourras lui dire au petit Fifi comment je fonctionne. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je t'invite à une chose. Je m'en fous que vous soyez là, les gars. Tant que vous vous tenez à carreau et vous me laissez les civils tranquilles, si vous me faites de la merde, c'est normal que je fasse mon boulot. Maintenant, j'ai des patrons au-dessus de moi encore. Donc maintenant, ce que je te propose, pour ça, on est tranquille.
Tu vois, il y a un joli manoir là-bas vers Sofia. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Allez là-bas et laissez-moi faire mon travail tranquillement un peu plus dans le sud. Et ça se passera très bien entre nous. D'accord, ça marche, je retire ton message, reste là. Lee, tu me vois ça? Parlez moins fort les gars, on vous entend. Hein. Et pour info, il y en a qui sont en voix forte là, baissez d'un ton. Allez, c'est bon les gars. Ça va claquer une Soma, faut faire attention. Attendez. Ouais. Ils sont tous en train de repartir vers Pyrgos là. Et CF, ils sont. Désolé, tes collègues. Mais les gars, toi, c'est confirmé. De quoi? De quoi? De bordel dans les négociations. Non. Rien faire, non mais c'est ton pote qui? Ouais, bon, bah allez, ciao. Non, c'est bon. Allez. Bon, préparez-vous les gars, ça va chauffer. Info sur le lance. Personne n'engage, personne n'engage. Personne n'engage les gars. Le couvre-zone a cassé. Allez, on bouge. Bon, préparez-vous, ça risque de taper à mon avis. Hein. Allez, couvre-zone. Yes. Reçu. On les laisse nous engager? Affirmatif. C'est reçu. Non, on n'engage pas, c'est ça que j'ai dit, hein. C'est pas on se laisse engager, j'ai dit on n'engage pas. Ils arrêtent de tout déformer, là. On se laisse engager, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça me cassait les couilles là, j'aurais dit pas être agressif et le mec il se barre parce qu'on est agressif, ça va aussi. Mauvaise négo. Encore. C'est les collègues là, mais j'ai pas été partout pour voir, mais là qu'ils sont sur cette colline de mort encore là ça me... De chez nous? Oui, de chez nous. Regarde, ils sont déjà tous sur la colline depuis une demi-heure, j'aurais dû se barrer là. Les dragons, me lâchez pas les Ralcats. Hein. Dragon, hein, on suit le leur. Alors les gars, pour information, quand il y a une négociation, on évite de la jouer agressif. On se poste, on ne bouge pas, on les laisse conduire et on se la joue tranquille les gars. D'accord? Même s'ils provoquent, on n'a pas à répondre à cette provocation. On est des professionnels de la sécurité, n'oubliez pas. C'est le sud Alpha. Merci. Les docks, ils sont dans quelle direction là actuellement? On les laisse partir, c'est pas notre problème les gars. Voilà, ils sont gentils, ils ont laissé la Sierra tout à l'heure, ils ont fait un pas vers moi, donc là j'ai fait un pas vers eux, je leur laisse la chance de partir tranquillement. Ok. C'est les dragons décrochent alors. Et je suis plus en ligo avec le mec, hein, il s'est barré, hein, pour info. J'ai une position bellique juste à droite, on a une focus qui est revenue. Ah bah elle parle, c'est bon. Voilà, vous avez tout compris les gars. Qu'on décroche le dragon. Et on continue à faire notre travail dans l'Est. D'accord, on a des entreprises et des civils à sécuriser. CPA, vous êtes suivi. Ouais. Faites gaffe, il pleut. Wow. Bah là, c'est mauvais en fait. Si on va partir direction la hall pour la paix. T'inquiète, parle en faible, il m'entend pas. D'accord. Bon allez, bonne nuit Dédé, bonne nuit, bonne nuit mon petit lunatique, merci pour tous tes dons, merci, ça fait super plaisir. Cobra Canal 3. Personne qui vient? Ouais, c'est bon, ils sont bons. 54-107, qu'est-ce que c'est ça? On va sur la rue aussi. On se met là. Ouais. De quoi? On va sur la oil là, il y a un appel. On va ici. Ouais. Allez à tous, direction oil. C'est le sud de Alpha. De Doc, le véhicule de René Zampagne a été mis en courrier ou pas? On sent. Mais on sent intelligent en pratique. Mais ils sont intelligents en pratique. Ah oui, tout à fait. Doc, allez-y si vous savez où il est. Ouais, mais je sais pas parce que le point de position bellique. On va mettre le frère. Ouais, est-ce que vous avez encore René ou pas? J'envoie un message à René, n'est-ce pas? Il avait dit que je le ferais. On va mettre un fourrier et puis voilà. Doc, commence à partir vers la oil. Doc, on va partir, on envoie un message.
fait un 140. Là, ouais, mais on va à la oil, les gars. Si c'est comment ça Cobra de Viper lead. Cobra de Viper. Vous êtes que 3 unités, restez pas tout seul, il y a la rampage qui traîne. On va à la oil traiter le cas de l'agent de sécurité, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est pas fini encore, attention. Alors, faut tout faire quoi. Pas pour eux, je sais pas si ils sont. Passe, trace ta route, tu t'en fous de. Vous arrêtez pas au niveau de collecte. Vous arrêtez pas là au niveau de la station, hein. On est pas là pour eux. Et pourquoi quand on dort secours, ben, au lieu de se mettre en policier, il se met en sécu civil? Parce qu'il n'y a plus de place, tout simplement, Teco, plus de place policier. Teco Braid pour Viper Lead, on va se diriger vers l'escorte de la DC. C'est qui celui-là, Teco? Je sais pas. Après, tout à l'heure, on a même croisé une recrue qui était en train de faire un convoi à la LCO. Ouais, Hugo. Je crois que c'est à lui que je lui ai dit, que j'ai dit oui tout à l'heure. Ouais, c'est lui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je suis juste un civil lambda. Ouais, bah, la prochaine fois tu changeras de papier. Deux alpha nous sommes suivis par une Mercedes noire. Ouais, bah c'est pas grave, c'est la Rampage, ils nous surveillent. C'est pas grave, nous on va à la oil, on fait notre boulot, les gars. Bien reçu. On va rentrer à l'entreprise, de toute façon, faut qu'on aille gérer. Rappelle-moi c'est PA là quand même. Hein? Appelle Ah ok. Appelle CPA, dis-leur de se mettre au niveau de la mer pour surveiller les alentours de la rue. CPA pour le leader. Viper. Je suis trop loin. Sur écoute. Genre dis de se mettre au niveau de la mer. Ouais, en protection. La oil, en étant discret. Viper sur écoute. Mettez-vous au niveau de la mer. Raté, mauvaise radio. Pas reçu. Ouais, c'est vrai, ça a changé. Si, si, vous avez reçu. Sierra Lune de Viper Lead. Ça passe sur le canal, l'enfer. Camion là, et tu rentres dans l'entreprise direct, t'entends bien quoi. On va rentrer dans l'entreprise, vous mettez en couverture que vous donnez dedans. Rentre. Tic tic tic, vas-y, rentre dedans. Gare. La levée politique de la maison. Sur le côté à gauche. Fais le tour, fais le tour à gauche. Porter plainte ou non, évidemment, ça ne sera pas à votre. À gauche, tu te mets dans la direction de la sortie quoi, tu vois. Ok, ça marche. Longe le truc là, rebord à gauche là, et puis tu te gardes là. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon. T'as pas su comme à la longue. Mon général. Oui. Du coup, je vais faire un topo sur la situation. Attends, ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, et pourquoi pas moi? Bah comme ça je vous fais les deux en même temps. Bon, vas-y. C'est bien de Viper Lead. Vas-y. Attends, bah j'attends qu'il écoute. C'est pas vous que j'ai vu hier soir. Venez sur la oil, vous allez surveiller les environs, mais restez discret. Bon messieurs, vous allez voir là-bas s'il vous plaît. Ah, c'est voir là-bas. Regardez, il y a des jolies fleurs dans le bac à légumes là-bas. Très bien, très bien. Allez les brouter. Merci. Ouais. Allez, vas-y. Comment général. Ça m'embête, hein. Je vais aller discuter avec leur PDG. Ouais, il est là leur PDG. Ouais, il faut faire juste un topo, comme ça vous êtes bien au courant de tout. Alors, on a. Merci Mike. Donc il y a voulu fouiller quelqu'un, donc il a direct menotté, etc, etc. Bref, il s'est emporté, il a menotté, il a embarqué dans le bureau. Une fois dans le bureau, le mec qui voulait fouiller a refusé de se faire fouiller. Il y a eu une menace de mort, des insultes. D'après le responsable de la sécurité, les mots prononcés ont été « Si je te croise, je n'aurai aucun scrupule à te mettre une balle dans la tête. »
agent de sécurité. Civil. Ouais, un agent de sécurité à l'histoire civile. Bah tu me prends tous les noms là et puis t'embarques celui qu'il faut. Merci Mike, merci de ton follow, merci d'avoir rejoint la famille. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir le live de ce soir et les lives précédents et futurs. Merci à toi et bienvenue Mouloulou, bienvenue à toi. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs dames. Monsieur Nel, quelqu'un. Monsieur Nel, oui, bonjour messieurs. Mais, bonjour, on vient chercher notre pays. Une blague, c'est une bonne blague, c'est une bonne blague. Par contre, moi je cherche le PDG. Non, le PDG il est où? Il est pas là. Le PDG n'est pas là. Le PDG non plus, le plus haut gradé c'est le chef de sécurité. Éco-véhicule. Et celui qui est le plus toi, il se situe là-haut. Là où je dirige mon doigt. À gauche. Merci. Merci. Alors, ça monsieur, va, monsieur Roy. Vous pouvez me passer votre carte d'identité, s'il vous plaît. C'est monsieur Roy. Il était roi de Monaco avant. Merci, votre carte. Comment? Mais qu'est-ce que. Si, mais il est arrivé par où? Il est arrivé en ville. Ah, je l'ai même pas vu arriver. Mais je vous ai pas demandé de fermer l'entreprise, hein, juste de couvrir les sorties. Les fissons. Pardon ? T'as déjà vu une licorne chier comme un lapin ? Négatif. Ah, on regarde mon collègue. On regarde bien. Regarde, 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 regarde. Lequel ? Bah lui là, regarde. Regarde, regarde, lui là. Regarde, oh, regarde-le, regarde-le. Oui, oui, oui. Ça va ? Ouais, ouais, ça va, c'est bon, ça. Bah, ça... pourquoi tu me dis oui, je t'ai pas encore posé de question. Non, parce que j'ai dois avoir du décalage avec la question d'avant, parce que j'ai des problèmes cerveaux là actuellement. Ah, bah, faut en mode. Venir, le mec, là, on a besoin de lui. Là, c'est bon, normalement, tout est bon là, je vous vois. Allez, vas-y, 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 fonce fonce. Mais il peut pas courir. Fonce, je sais pas, là-bas. Fonce. Attention à la voiture, fonce. Ouais. Là. Monsieur Joël Louis. Déjà connu de nos services de plus, monsieur Louis. Je veux pas un pâté là, faites-moi ah bah ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait vraiment pas. Quelqu'un je le pas prend. Dans l'entrée douce. Libby. Ouais. Le civil, voilà, il est ouf. Voilà, que c'est ouf. Ah bien, vous donnez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Faire ça ailleurs, c'est en plein milieu de la route. Attendez, merde, je voulais pas faire ça, je vous souhaite. Bon. Ne vous inquiétez pas, vous. Venez sur le côté, monsieur Perse. J'arrive. Alors. Alors, c'est... monsieur Pierre, ce qu'on va faire, c'est que j'imagine que vous voulez entamer des procédures, une procédure pénale. Exactement. Hein, ouais, exactement, pour menottage intempéré, pour insulte, pour menace de mort. C'est surtout ça qui m'a vraiment choqué, menace de mort à répétition. Il y a mon ami qui est témoin, je sais pas où est-ce qu'il est, qui est derrière. Il y a aussi l'un des directeurs d'entreprise, monsieur Ninjutsu, qui est témoin. Il y a également la personne de la sécurité, il y a un avocat qui était dans le coin qui a entendu également, enfin voilà, c'est et vraiment insulte, menace de mort, excès de zèle de sa part, bon ça, ouais. Et en plus il vous mettait en cause en disant que c'était par un diplôme qu'il avait reçu de vous, il s'en vantait, c'était, enfin ça m'a fait du mal pour votre profession, mon père est policier et franchement ça ne vous inquiétez pas, ce n'est en aucun cas la police qui délivre ce certificat, c'est les marshals, mais bon, en plus, voilà, c'est pas grave, si c'est pas ce qu'il dit, c'est rien, bref, il avait l'air de vraiment... faire un truc. Vous allez monter dans notre véhicule, on va se diriger direction de la brigade aérienne et puis on va prendre votre plainte. Ça marche. Là pour le coup, je suis pas du genre à vouloir embêter, mais là j'ai vraiment envie d'engager des poursuites contre ça. Néon. Ok. Compliqué là. En ont une autre. À la limite, c'est mieux si vous ayez un chapeau différent, c'est plus simple pour nous. Ouais. Donc, bah, comme les employés des autres entreprises, ils ont des casques de couleurs différentes, par exemple, selon leur grade. C'est un truc semblant, après. Ouais, parce que là, vous ressemblez à un sac à dos, à la limite, je sais pas comment vous préférez. Mais pour qu'on puisse vous différencier rapidement d'un groupe rebelle ou terroriste. Hein. D'accord, oui. Bien sûr.
Après, quand vous différenciez-vous, alors que nous vous différenciez-vous des autres employés, c'est pas trop une nécessité qu'on puisse vous différencier vos employés d'un groupe qui attaquerait. Ouais, ou... ouais, je comprends tout à fait. Ça va être mis en place là, bien avant la tempête, je crois, ou bien après. Mais ça sera mis en place dans les prochaines 24 heures, ça c'est sûr et certain. Et c'est important aussi que les civils puissent vous différencier de groupes terroristes ouais. ou rebelles. Ouais, bah justement, en fait, c'est pour ça que. Bon, comment ça va dans le chat à mettre, ça se passe bien à mettre une loi sur ces tenues là pour que les civils n'aient pas peur. Vous êtes toujours à fond sur les jeux. Non, loi, c'est un petit peu grand, mais non, il a prendre des points. Vous avez compris par rapport à une loi, ça permet la sécurité vous compris, sur le chat, les viewers, oui, voilà. Mais bon, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les gourous, et du coup, à chaque fois qu'on se rendait sur le puits de pétrole, on se disait, enfin, les civils avaient peur que ce soit des rebelles ou bien des braqueurs. Donc, c'est pour ça que ça a cogité dans ma tête. Ah, vous avez des nouvelles de ce chef de gourou? Je sais même pas de qui on parle. Ouais, bon. Alors, on se faisait couper au puits de pétrole un certain gourou pendant une bonne semaine. Un gourou, c'est la même chose. Il y a peut-être une équipe qui peut Alpha ici, au Kai, parlez. Bah oui, très grosse équipe qui ont pris mon PDG en otage et moi-même en otage. Sur son compte. En banque, avec une maison en moins. Bon, ils nous ont menacé, très grosse menace. Hein. Si on donnait pas une très grosse somme d'argent, ils faisaient fermer l'entreprise, LOL, plein de menaces de style. Mais bien sûr, viens me voir. Ah. Bah, on est dessus. On est bravo. Alpha. Vous me recevez? Oui. J'étais pas sur la fréquence ou quoi? Si, nous oui. Nous on est bravo. Hein. Il y avait quelque chose autour de nous ou pas? Vous êtes viré, lieutenant. Non, attends, tu vas voir avant de me virer. Si, vous êtes viré. Ah, pourquoi est-ce que moi je vois un raptor dans la pampa avec un mec derrière un caillou? Alpha, pour OK. Sur écoute. Pourquoi vous nous avez dit la CP? Bah, parce que je vous appelle depuis tout à l'heure et vous répondez pas. On reçoit pas du tout. Oui ou pas, sur la colline. Ok, faudra m'expliquer pourquoi vous êtes pas en tenue normalement, pourquoi vous êtes en tenue de combat là, les gars. C'était par rapport à tout à l'heure, on s'est pas remis avec la recrue. Oui, bah, il me semble que les tenues de combat c'est sur ordre et c'est sur des PO et banques. Pour moi c'est une erreur de ma part et oui, pour la recrue, ah, c'est problème, bon, c'est bon. Charbon. Bon. Je vous remercie. À la limite, communiquez votre choix de tenue, que ce soit à la police par message. Et aussi au ministère de la Justice qui se voit. Donc je reprécise, c'est Polaire et P4, pas P5. Oui, affirmatif, c'est juste qu'il a des problèmes cerveau, il arrive pas à prendre les trucs qui étaient dans le véhicule et on n'avait pas eu le temps de se poser. Moi je tolère pas ce genre de comportement dans l'entreprise. Écoute, ok. C'est pas bien. Sur écoute. On a deux civils cassés, on peut aller les aider, le véhicule il a 400 mètres. Ouais, tu les aides, mais t'es pas censé réparer leur véhicule. Ils doivent appeler les dépanneurs pour ça, c'est pas notre job. C'est reçu. Sur l'histoire CPA. Transmet. Actuellement, au niveau du terminal, un L4 couleur sable potentiellement de la rampe. Bon, est-ce qu'ils ont fini, Sierra, ils sont partis? C'est reçu. Bon. Bah, nous aussi, on va y aller. C'est reçu, on va aller faire un petit tour. Ok, bon, merci, monsieur. À bientôt, en présent. Ouah. Ok. Allez, bonne journée monsieur. Nickel, j'arrive d'ici 3 minutes. Pas de soucis. Fatigué. Oui. De Viper Lead de 11. Qu'est-ce que... Ouais. Tu l'as pas vu le mec ou quoi? Ouais, c'est Casper. Je vais te recentrer sur carte pour la direction de l'Elkart, il est parti de la zone direction l'Elkart. Eh, je vous avais dit de pas bloquer l'entrée là. C'est Douglas, attends, c'est. Vous m'en recevez là? Oui. Ok, problème réglé, on s'en va direction BR. Depuis quand? Oh, depuis quand? Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 2 semaines. Ok. À peu près. Anxer, 2 semaines. Anxen, putain, Anxen. Ouais, depuis 2 semaines. C'est Anxer, hein, pas Anxen.
Non, c'est Angzen. C'est Zer. C'est N. Ah, même ta modo, elle est d'accord avec moi. Ah, c'est R. Angzer. Bah, depuis deux semaines. Alors, je vais vous expliquer parce que là, il y en a qui se foutent de ma gueule. Voilà. Le chat, il est là. Ok. En gros, le chat. Donc, moi, avec le recul et mon âge avancé, bah, je vois pas bien. Voilà. Merci, Angzer. Angzer. Je l'avais dit, les gars, c'était un R. C'est pas vrai, ça, quand même. Ça veut dire 14 fois avant que tu nous crois. Putain, oui, c'est ouais, bah, je sais que c'est toi, Anc. Je savais. J'avais fait le lien hein, depuis un moment. Il est juste jaloux, de toute façon. T'as que mettre en fond blanc. J'aime pas le fond blanc. Le fond blanc, la nuit, ça pique. Hein. Ouais. Même de jour, de toute façon, ça pique. T'es comme ça, quoi. On retourne. J'ai bien fait un tour à la petite LC là, c'est ouvert en plus. Ouais, direction la LC les gars. Un VL sur nous. Y'a un VL, y'a pas qu'un VL les gars. Allez, vous arrêtez pas comme tout à l'heure, vous foncez. Ils se font couper la route. Ouais, ils se font. Tiens, ma collègue. Bah, vous faites le tour. Appelle longue, tout est renfort. Attends, arrête-toi là, arrête-toi là. Besoin de renfort, attends. Pardon. Pour Rico, c'est bon, on est passé. Ah, faut sur ok, allez, on fonce. Passage canal A. Il y a encore les rampages. Là, c'est de la provoque. La prochaine provocation, je préviens. Ça va chier. La prochaine provocation, je rentre dans la tête. Hein. J'entame le. Parce que c'est bon, à un moment donné, faut pas jouer. Hein. Prochaine provocation générale, je vous préviens, j'attaque. Du coup, du coup, direction LC. Non, il n'y a pas de nouveau colonel. Là. Ce soir, deux, trois, là, ouais, maintenant, la prochaine fois, je tape. Hein. Ouais, c'est bien sûr. Bien sûr. Oh, il n'y a pas d'autre colonel en fait, parce que j'ai monté personne. Non, il n'y a pas de colonel, Hank. Il n'y a que des commandants. Tu vois, là c'est Monster Zen par contre. Là c'est Monster Zen, là je le vois bien. Angzer en bleu, j'ai pas vu. Ouais, c'est Ankh aussi, il prend des couleurs de merde. Ah ouais, merde. On avance là les gars. Allez, on se bouge, hein, on retourne. On va vous dire bonjour à la LC là. Arrête-toi, Arrêtez-vous à la douane les gars, je vais passer un petit message vite fait là. Je vais leur clairement dire que la prochaine fois qu'ils provoquent comme ça, ça va se passer différemment. Mettez-vous en protection de zone. Hé hey, fiston, viens voir là. Il y en a un qui vient là. Il y en a un qui vient discuter s'il vous plaît. Il y en a qui vient discuter, s'il vous plaît. Allez, il y en a qui vient discuter, s'il vous plaît, là. Il y en a qui sort. Il y en a qui sort. Bon, ça tombe bien, c'est la même que tout à l'heure. Bon, et les gars, vous passez un message. Je veux être gentil, mais j'ai des limites aussi, d'accord. La prochaine fois qu'on nous agresse comme ça, je répondrai par la force. Exactement, je répondrai par la force, t'as très bien compris, Kylian. T'as très bien compris. Tu leur as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit que la prochaine fois que. C'est good, merci. Provoque, je répondrai par la force. En fait, ils sont ridicules. Ouais, c'est nul à chier. Alors, je sais que vous êtes là, les gars. C'est ridicule ce que vous faites. Parce que là, ça va partir en clash. En jeu. Ça va partir en gunfight. Et après, ça va finir dans les channels problèmes. Je vous le dis.
C'est pas bien parce que là, à un moment donné, faut arrêter de pousser le vis en fait. Faut éviter de pousser le vis en fait. C'est très mal joué là. Très mal joué. De toute façon, je viendrai dans votre channel tout à l'heure. Vous en discutez. C'est très très mal joué. J'aime pas du tout. C'est casse-couille quoi. C'est. Trois fois qu'ils essayent de. Non, ouais, c'est bon. Du coup, on a cassé. Qui c'est ça? Ok. Tout le monde fonce bijoutier, on se dépêche. Fonce bijoutier. Donc, ils nous entendront plus tard, mais foncez, bougez-vous. Canal 1. Donc, il reste avec le véhicule qui a cassé. Non, c'est une erreur. Erreur. On repasse canal 2. Sherman, les boulets. Rampage, c'est des anciens policiers, des. Il y a en plus du staff bon, quoi. Du coup, on repart direction. Franchement, en plus du staff quoi. C'est ça, coupez par les pistes hein, après, faites pas tout le tour. Vous nous faites perdre assez de temps. Je vais être gentil, mais à un moment donné, c'est bon. Bah, surtout que là, ce soir, on a été cool quoi. Ouais. Là, après, faut arrêter. Peut-être qu'avant les 20 là ils sont fait péter, mais ça c'est pas trop un problème quoi. Là ils ont laissé tirade, on les a laissé 2-3 fois là, ils ont venu nous chercher, essayer de nous bloquer et tout, ça va quoi. Franchement ouais ça joue mal, carrément très mal même. C'est dommage parce que ça joue très mal, là ça joue la provocation et après ça va pleurer. Qu'on a pas fait un pas vers eux quoi. Ouais mais je comprends pas mec, la police part toujours en gunfight, vous voulez toujours gunfight et non en fait c'est vous là qui veut, 3 fois vous m'avez fait le coup ce soir. Trois fois. James. Ah, bingo. Allez, c'est bon. La prochaine fois, ça va être Soma direct. Hein. J'annonce. Oh, j'ai même une petite place de parking pour moto. Trop bien. On a pas ça, nous, à la B1. Hein. Ah, c'est pas de couilles quand c'est comme ça. J'aime pas ça. Il y a des choses qui m'agacent en fait. Il y a des choses qui m'agacent en RP. Bonjour, c'est la connerie et la connerie. Voilà. Moi, je vous le dis. Il y a des choses qui me mettent hors de moi, mais ça vous pouvez le comprendre, des fois ça me fout hors de moi. Bah c'est ça en fait. Je suis gentil, je laisse faire, machin, on écarte, allez cassez-vous, j'ai autre chose à foutre. Et là il provoque. Et en provoquant, ça va m'agacer et ça va partir en gunfight et ça va pleurer. Le premier qui chiale, de toute façon, à gueuler, il est bonne perme, je vous le dis. C'est clair. C'est calme, dis donc aujourd'hui. Putain. Ils ont travaillé pas mal apparemment là. On a eu pas mal sur les entreprises. Mais c'est ça qu'ils veulent. En fait, c'est du force fight en fait. Ça, voilà, c'est du force fight. Là, si je voulais, je claquais une Soma, c'était fini là. Force fight. Voilà. C'est pas du RP ça, c'est de la merde. Voilà ce que c'est. RP, c'est discuter, écouter, ouvrir des portes et toujours laisser une chance. Voilà. Là, c'est force fight. Le prochain, c'est Soma. Claquage et ça finira dans les channels. Et le premier qui gueule, je le prendrai à part dans mon bureau. Ah ouais, là je suis fâché. Il va mieux dormir avant. Bon bah écoutez, c'était une bonne fin de journée. A bientôt madame. Gentil. Bonne journée messieurs. Je peux prendre le bureau du patron ou pas? Le bureau du patron? Ah le bureau du patron. Oui. Je vous glisse un petit billet dans la jupe et hop, et vous me laissez le bureau du patron. Billet dans la jupe, c'est moyen ça comme. Bah, vous le voulez où? Si vous voulez, c'est Noël. Ouais, mais c'est Noël. De toute façon, il est pas. Ah, c'est, no... oui, c'est Noël. Ouais, parce que ça serait Noël tous les jours pour moi. Si, on va bouger. J'adorerais. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, on bouge. Quelle direction avec cette vitesse? Kabbalah. Comme ça, ils peuvent engager en premier et faire tomber en premier. Exactement. C'est lui, beige. C'est mieux la chier, quoi. Ah j'ai du mal là, il y a des choses qui m'agacent et ça en fait partie. Ouais je trouve ça super dommage en fait. Avec un radios. Maintenant que je suis passé général. Tu vois la vie. Des meilleurs donc je comprends pas. On part direction radios en général. Je sais pas, il y avait un accès. Il y avait un accès de vitesse non? Oui. Ouais allez on va faire une petite. Bon allez, il nous reste pas beaucoup de temps. Direction Kabbalah, on contrôle ce qui se passe et qu'il y a un excès de vitesse. Après, rééquipage et puis fin de service pour ceux qui veulent et puis pas trop d'intérêt pour les autres. Oh, super, oui, Kabbalah, ouais, un peu plus loin, je m'en fous. Sérieux?
ce soir, ils voulaient pas engager du tout. Attention, en fait. Côté, laisse Alpha passer en premier. Comme ça, ils peuvent engager en premier. Ce soir, ils voulaient pas engager du tout. C'est pas le côté, ça, c'est la route. Hein. C'est-à-dire, je te comprends pas, Yuri. Et on reprend la formation là. Et fonce. On n'est pas la super longue de service, donc on respecte un petit peu l'ordre de véhicule. Oui, mon général. T'es viré. C'est reçu. Oui. Je veux faire une blague. Les Rampage, après, ils font acte de présence. Ça dépend, tu veux vraiment virer ou quoi ? Non, mais bien sûr, acte de raison. Oh, mais Yuri, on l'a fait avant eux, ça. Il est encore là, okay. Voilà, moi je sais de quoi je parle. Et Joe aussi il sait de quoi il parle. Parce qu'on l'a fait avant eux. En fait, ils innovent rien en fait. Ils innovent que dalle en fait. Et mais en fait, là, qu'est-ce qu'ils font là? À barrer la route aux policiers en fait. Et les encercler. C'est de la provoque ça. Est-ce que nous on le faisait nous? Pas du tout. Nous on se mettait, on était là et on leur disait qu'est-ce que vous faites là? On discutait. Oh bah c'est bon, bah on part. Ok, faites votre travail. Et on repartait. Là, c'est de la provoque. Oui, là, ils mettaient 7 bagnoles à travers de la route. En fait, c'est pas du tout ce que nous on faisait en Sparte, Yuri. Okay, faut pas l'oublier. Nous, on faisait pas ça du tout. On discutait, nous. Ils veulent pas engager, mais enfin, peut-être que les leads derrière voulaient pas, mais les mecs au sol, ils étaient chauds là pour engager. Ah bah ouais, là, ils étaient chauds pas tant. J'ai qu'on passe à côté, c'est attention. Arrête-le. Oh les gars, y'a un camion sans roue, là, arrêtez même pas là. Voilà, ce que j'en parle. Après, je crédite pas l'acte de présence. Aucunement. Mais pas là. Là c'est agressif, c'est méchant, c'est fourbe, ça se sent. Ça se voit. C'est ça en fait que. C'est ça en fait que je reproche en fait. C'est la façon de faire, agressive. Ça m'agace. Nous on n'a pas joué comme ça en Sparte. Il voulait faire coucou la caméra, ouais, mais on s'en fout de ça en fait. Votre pas fight H24 contre nous. Mais moi non plus, je veux pas fight contre eux. Là, je les ignore depuis ce soir en fait. J'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris. Est-ce que je les ai engagés de la soirée? Pas du tout. Au contraire, je fais mon truc et je me casse. Je les laisse même tranquille parce que je vais te dire, je suis même à un tel point énervé que j'ai même pas envie de. J'ai même pas envie de. Je pense qu'on peut vous faire un petit coup de main. De refaire d'action avec eux en fait. T'étais pas mécano toi? Si, j'étais mécano un jour. Peut-être aider son camion non? Ça dépend, il a combien? Oh, c'est un honnête citoyen. Ah oui, c'est gratuit. C'est, gentil, merci. C'est de la drogue. C'est quoi votre nom, monsieur? Michael Antonov. Ah oui, t'étais là. Bien sûr que t'étais là. Donc voilà, moi j'ai même pas envie d'interagir en action. Et quand tu vois sur la négo, ils sont deux. C'est un problème. C'est un mec qui demande ce qu'il a à faire et l'autre il parle mal. C'est pas une négo ça. Donc forcément, j'ai encore pas la bonne technique. Vous pouvez regarder. Vous n'avez pas été arrêté, vous avez... Un acte de présence ne fait pas du tout. Si tu n'as pas de répartie par eux, tu arriveras jamais à rien. Mais c'est vrai. Par contre, je connais des gens qui ont le même nom de famille que vous, qui ont un casier. Ah, c'est vos frères et ça. Dire bonjour à leur maman. Ah, peut-être. Mais moi, je veux pas fight contre eux. J'en ai rien à foutre, moi, de fight contre eux. Ils font leur truc, y a pas de souci. C'est réparé ou pas là? La famille lointaine, peut-être? Non, c'est pas. Non, mais on m'a pas plus précisé que ça. Ils peuvent, m'en fous moi. D'accord, ok. Regarde, je les ai invités deux fois, allez, tranquillement, vers Sofia, où il n'y a pas d'entreprise. Ah, m'en fous moi. Bon courage, hein. C'est eux qui se stressent pour rien, hein. C'est pas moi. Hein. Moi je m'en fous d'eux, en fait. Hein. Moi qui se balade là. Moi de Dimars, on est reparti. Qui se balade, là, hein. Pas de problème. On prend le plan de patrouille initial. Et je vais même te dire, Yuri, je rentre même dans leur RP. Je vais même pas se tirer une bière. Ouais, c'est vrai. J'ai pas fait ça. Mais bon. Mais bah aller plus loin, c'est que j'améliore, mais je rentre même dans leur RP parce que je laisse faire en fait ce qu'ils veulent en fait. Je leur donne cette chance de faire ce qu'ils veulent en fait. J'ai compris ce qu'ils voulaient. Je laisse faire. Là, ce soir, je les ai laissés faire. Mais là, s'ils réagissent comme ça, bah ça va pas le faire en fait. Je vais faire comprendre qu'il y a des limites. Donc là, j'ai averti. Mais ça s'est passé au début, les gradés sont arrivés au début. Mais comme ils ferment la négo avec moi, ben, plus de négo en fait. Et là, pareil. Alors, soit ils sont plus là, soit. Je sais pas. Alors, qui ferme moi cette merde? Après, ils vont dire que c'est moi qui ferme la négo parce que je me casse. Ben non, en fait, c'est eux qui ferment la négo en fait. C'est ça le problème. Le problème, il est là encore.
Bon, déjà vous faites de la merde sur votre radio, pas bien. Et volez pas si bas là, vous êtes pas en OP là, faites pas nimp, y'a des sillettes qui vous regardent. N'importe quoi ici. Moi je retourne dans le canal 2. Oh, je viens de passer sur le canal de CEPA, ils sont en train de mettre de la musique à la radio. Insupportable. On fait rien. Personne, vas-y, vas-y. Vas-y, pardon. Il a qu'à faire gaffe à sa bagnole. Attention, valise au milieu de la route. Bah, on s'arrête, on va débarrasser la route de ça. Laissez pas des trucs sur la route traîner comme ça, le mec qui passe à 130, c'est dangereux. T'as du bon côté là? Ah oui, je t'ai dit, ça doit être ta copine qui vient de passer, on y va. Dit ouais, ouais. On est parti. Bien mieux la radio. C'est un fait. On l'a fait avant, hein, mon petit Yuri. Hein. Donc on sait de quoi on parle. Hein. C'est pas une révolution hein, ce qui se passe. Hein. Pas oublier que j'étais. Hop, les descentes de sécurité. Pas oublier que j'étais. Ouais, c'est bon. En haut gradé de la Sparte. Hein, donc, je sais de quoi je parle. Après, ça prend pas toujours sur la position. Ah ben je lui dis pas que les flics ne provoquent pas. Il y a certains flics qui provoquent aussi. Hein. C'est un fait aussi. Hein. Attends, du coup, puisque t'en parles, tu remettras un message de rappel. Bonne nuit à toi. En plus. Hein ? Je mettrai un message de rappel là, pour la négo, parce que j'ai peur que ça se repasse comme ce soir. Là. Tu mettras... ouais, les prochains qui sanctionnent, enfin tu mettras un truc dans le genre, hein, tu mettras sans phare, mais tu en gros... 5 km/h. Chopez-le. Ceux qui sanctionnent, enfin ceux qui provoquent sur les négo, peu importe qui provoque, peu importe qui, quand, quoi ou comment, ils sont virés puis pas me régler. Qui ça? On a des candidats, c'est bon, on râle que des mecs qui provoquent sur les négo, ça fait 15 fois qu'on le lit. Je crois qu'il y a une de nos patrouilles qui a cassé là. T'as reçu Doc? Ah non, Ritari? Y'a Alpha qui a dû casser la nerf. Y'a plus, ok. Fais gaffe aux distances de sécurité, mais pas juste derrière lui. Vous allez bien le pas? Ouais, chef, on va bien. Ouais, oh. Si les parties j'ai trop loin, on abandonne, on va pas rester de partir dans les bagnoles. Vous le voyez là, ces questions devant? Gatling, il prend des croches. Ouais, on décroche ça. On a tout à faire. Ouais, on a pas réussi à la rattraper. Ouais, c'est ça. Au pire, tu peux mettre des plaques. Non, mais je pense que l'équipement qui est dans la bagnole, enfin, je veux dire, c'est ton M200 après tout. Ouais, bah, c'est surtout ça en fait. J'ai pas trop envie de le perdre en fait. On est bien d'accord. Il roule pas à 200, merci. C'est 50 les gars, vous êtes virés. Ah, fille, on est à 50 là. Ah, pas tout le monde. Hein, le strider. Je suis à 53. C'est pas un débat, hein. C'est juste que vous mettez à 50 et arrêtez de vous accuser les uns les autres. Hein. C'est bien pris, mon général. On va faire un petit tour sur la place, un petit peu de contact s'il y a du monde. Bon, le trailer n'a pas le droit de faire ça. Bon, vas-y, c'est bon, on y va. Un tour de saut.
de recrues qui sont à poil derrière. Bon, et bah retour PK, moi je vais y aller. C'est ça. C'est moi le stagiaire qui va nous flasher là. Pas moi. Pourquoi? Parce que je t'entends en fait. Et qu'est-ce qui a été dit? J'ai pas au plus malin. Ah non, non, c'est vrai en plus. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je laisse tout ça dans votre silence. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah bah je parle en mon nom après. Allez, on va ranger la caisse. Ah là là. Bon bah voilà, 20h minuit. Petite soirée tranquillou avec 2-3 belles actions. Voilà, 2-3 belles choses. La Rampage qui tente de nouveaux trucs, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, maintenant on sort du contexte RP les gars, c'est bon, hein, c'est fini. La Rampage qui tente beaucoup de choses, qui avance dans leur groupe, c'est très bien, c'est nickel. On va essayer, enfin c'est bon, après c'est mon boulot d'administrateur, les aider de les orienter vers leur RP et tout ça, donc ça va être quelque chose de bien, ça c'est bien, il y a du nouveau, ça progresse, ça évolue, c'est agressif, c'est leur choix d'être agressif, donc ben voilà, comme vous avez pu voir, j'essaie de les diriger dans le RP tout en restant RP, en gueulant machin, en pas me laissant faire non plus. Donc du coup, on verra la suite de la Rampage, parce que c'est le seul groupe rebelle aujourd'hui présent sur l'île avec les Scorpions, l'agence touriste qui les a franchis, qui évoluent aussi, eux, tranquillement et calmement de leur côté. Donc on verra ça avec eux, on verra ce qu'il en est. J'espère que vous avez pris plaisir ce soir à regarder le live de Springfellow TV, Actis Live France. Merci à Lunatic pour les dons. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. On est déjà à 85€. Merci beaucoup, Lunatic, tu me fais ultra, ultra plaisir. Merci à tous les nouveaux followers, 316. Merci, Imga. Merci, Kaozo. Merci, Ebaudry. Merci, Lassalle. Merci, Mister Thibault. Merci, Ronatrix. Merci, Raptor, pour tes beats. Merci, Lulu. Merci, Mike. Merci à tous. Ça me fait très, 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 très plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aux nouveaux abonnés comme Omega. Merci à tout ça. Voilà, j'arrêterai jamais à vous dire suffisamment merci, mais merci à tous. Bon allez, sur ce, bisous mes loulous, prenez soin de vous, et à demain, 20h minuit. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.